Et salut à tous, il est 16h03, comment ça va Salut tout le monde, salut à tous, comment vous allez Merci pour le follow, un film docu, pas mal, pas mal le pseudo bienvenue, merci à toi pour le follow. Aujourd'hui c'est le jour de, de bet to invest comme tous les mardis, bon même si mardi dernier, il y a eu un euh, souci. J'ai pas streamé lundi dernier et mardi dernier. Donc, c'était une semaine, la semaine dernière, c'était une semaine assez euh, tranquille. Yo, compte de BFC, merci d'être là. Comment tu vas Merci pour ton message. Euh, ok, là, attendez, on est combien 11. Ok, c'est un démarrage dans la moyenne 11, 12, 13 en général quand, quand je démarre. Hop là, on est là. Euh, salut. Merci pour ton premier message. Comment tu m'as découvert Tiens euh, un film docu. Ça m'intéresse parce que enfin ça m'intéresse toujours les gens qui follow alors que le, le stream n'a même pas démarré ou alors des fois il y a des gens qui me follow pendant que je suis pas en stream et qui me rencontrent euh, qui me connaissent grâce à une vidéo YouTube, grâce au replay sur YouTube ou alors un Instagram enfin ou Twitter. Ah Twitter. C'est souvent par hasard sur Twitter. OK, bah écoute, bienvenue. Bienvenue à toi. Aujourd'hui on va parler de Bet2Invest un peu comme tous les mardis. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'essaye, je, alors je dis bien j'essaye de streamer parce que ben, vous avez vu la semaine dernière, ça n'a pas été respecté, tous les jours du lundi au jeudi à partir de 16h, une petite heure ou une heure et demie, bon des fois deux heures ça dépend. Euh, le lundi c'est démarrage tranquille, un peu libre antenne, on discute tous ensemble et puis on parle un peu Paris Sportif. Le mardi en général stream d'une heure 20 une h 30 où on parle spécial Bet2Invest parce que pour moi Bet2Invest c'est... C'est juste une plateforme indispensable maintenant. J'espère qu'ils vont cartonner. Ça commence à prendre. J'ai l'impression, clairement, c'est la justice dans les paris sportifs. C'est euh, eux, c'est chez eux que qu'on qu peut, on va dire, avoir des bilans certifiés véritablement via Pinnacle, avec les cotes euh, au, en, en direct. C'est-à-dire que, enfin, voilà, les cotes sont à jour, actualisées vraiment euh, de manière euh, très bonne. Et forcément, on sait si on s'il connaît un minimum dans les paris sportifs, on sait que Pinnacle, c'est un peu la fin du game. C'est-à-dire que, dans le sens, ils sont tellement précis en moyenne, Pinnacle, qu'ils peuvent se permettre de ne même pas limiter les joueurs gagnants. Eux ne limitent pas les joueurs gagnants, et Pinnacle... Battre Pinnacle, c'est battre la fin du jeu, eux, comme je vous dis, ne limitent pas les joueurs gagnants. Et donc forcément, si tu crushes, tu peux rester chez eux sans souci. Et, euh... et voilà. Et eux, ils auront les cotes les mieux ajustées du marché, avec les marges... Les plus faibles, c'est-à-dire que le taux retour joueur sera le plus haut chez eux, donc toujours des cotes plus hautes chez eux que sur euh, les, les bookmakers.fr par exemple. Et donc forcément, gagner euh, chez eux, c'est euh, bah, une belle prouesse. Voilà. Et en plus, il y a plein de métriques qu'offre le site pour pouvoir lire des bilans, euh, comme la CLV, comme le betmax moyen, c'est-à-dire que le betmax autorisé d'une cote au moment où on prend le, le pari. Bon, évidemment, le nombre de paris, le, le profil le ROI, euh, CLV. CLV qui ne contient pas la marge, euh, la marge du bookmaker, mais quand même qui reste quand même un, un bon indicateur, selon moi, encore une fois, enfin, ça reste que mon avis, quelqu'un qui a une CLV, sachant que ça ne prend même pas en compte la marge, alors celui qui a une CLV qui descend, je ne comprends pas, enfin je comprends pas, c'est déjà pour moi, on va dire, un... Comment dirais-je un, bah, un signe, enfin qui a un problème, c'est-à-dire que le, la personne n'arrive pas à prendre à la meilleure cote sans la marge. À chaque fois, enfin, à chaque fois, il aurait pu l'avoir la, la plus haut. Donc, c'est, euh, ça me paraît... Enfin, euh, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Mais euh, voilà, et d'ailleurs, j'ai plein de bets en cours, j'en ai 16. Ici, ai, hier, je me suis un peu défoncé hier. J'ai checké toute la Ligue 2, euh, pas la Ligue 2, la, pardon, Angleterre Ligue 2, donc euh, la quatrième division anglaise, la troisième. J'ai un bet en Championship. J'ai même pris un bet aussi euh, sur la première ligue, euh, sur le match de Luton contre Burnley. Et bref, bah voilà, bah, de toute façon, ceux, ceux qui veulent avoir accès à mes bêtes, ça se passe ici. Vous avez 10% de réduction avec le code franck 10 sur le premier mois, si vous voulez me suivre. Et sachant que tous ceux qui me soutiennent en prenant au moins un mois, par la suite, après, euh, je, leur, je les intégrerai un mois dans mon télégramme privé où je donne des conseils. Donc euh, c'est euh, voilà, c'est euh, pour remercier un peu ceux qui me... Mais bon, ça, ça va arriver bientôt. C'est juste que je suis en train de travailler dessus enfin euh, pour, pour avoir plus de clarté euh, pour avoir un groupe privé où je conseille ben, les gens ben, voilà, qui me soutiennent tout simplement et, euh, et voilà donc ça c'était pour le, le, le petit instant euh, promo après bet invest ils ont une partie où ils font des blogs aussi où ils font des articles, toujours intéressant à les lire donc je pense qu'on va pouvoir les lire, voilà comment utiliser les stats pour augmenter vos gains la martingale, quelles sont les différences en cote? Euh, les opening odds euh, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait voir plein de choses Bon, qui, 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 qui est là les gars Allez, n'hésitez pas à envoyer un message, ceux qui sont là, j'ai envie de voir euh, du monde, euh, du monde qui sait qui est là, bah tiens j'en vois aussi, que je connais là dans le, parmi les viewers qui ne parlent pas, et à 17h30, évidemment je suis sur la chaîne de Poker Crusher, bon c'est écrit dans le titre, mais ouais, 17h30, Justement, j'étais déjà en train de regarder euh, euh, qu'est-ce que j'allais voir un petit peu que review comme vidéo. Et franchement, ça va. J'ai fait une recherche très rapide. J'ai vu des vidéos, euh, euh, on va dire récentes et qui durent pas trop longtemps. En plus, une nouvelle chaîne. On va découvrir une nouvelle chaîne aujourd'hui. Yo, là, mais pas longtemps. Replay comme moi, bah, c'est très très bien. Merci de regarder mes replays. Hein, donc, si vous voulez voir mes replays, ça se passe sur la chaîne YouTube. Je vous mets mon link ici et voilà. Via ce, ce lien, vous avez mon YouTube, mon Instagram, Twitter. Euh, un peu tout, vous pouvez me DM aussi sur Telegram, me DM sur Discord aussi, vous pouvez rejoindre le Discord. Pareil, Discord que j'aimerais bien refaire pour qu'il y ait plus d'interactions, pour qu'il y ait un chaîne de discussion autour des paris sportifs qui soit plus vivant, on va dire. La taverne a refait une vidéo de 30 minutes quasi que sur le mindset. Je, je pense que le mindset c'est tellement overall, enfin, c'est important évidemment, mais, mais genre appuyer dessus pour en faire un business, surtout autour des paris sportifs, genre parler mindset, enfin. Genre vraiment trop appuyé dessus, elle a accordé trop d'importance au mindset, genre, euh, enfin bref. Quand c'est trop, c'est trop. Après oui, évidemment qu'il faut une structure, il faut être équilibré, c'est important de faire du sport, c'est important de bien manger, même de faire de la méditation, ça oui. Enfin, on le fait pas pour autant, mais, mais après de là à, à te faire croire que c'est grâce à ça que tu vas réussir, on va dire, à développer des modèles dans les paris sportifs, à être gagnant en paris sportifs... Non, je pense pas. Par contre, il faut beaucoup travailler. Ça, c'est une certitude. Il faut travailler sans arrêt. Euh, faire plein d'essais. Essayer plein de stratégies. Euh, essayer des modèles. Euh, parier à blanc. Euh, via Hotsportal. Notamment, tu peux prendre plein de pics à blanc. C'est ce que j'ai fait. Moi, d'ailleurs, euh, j'ai énormément utilisé Hotsportal. Où j'ai reset à chaque fois pour, euh, pour essayer. Pour checker les cotes. Euh, et donc, voilà. Ouais, bon, après, voilà. La taverne. On, on sait ce qu'on en pense. On sait exactement ce qu'on ce qu'on en pense. Alors attendez, qui est là Bête tout invest. On va parler, on peut voir quoi. Qu'est-ce que vous voulez On peut lire les articles, on peut aller voir un peu les tipsters. On avait vu d'ailleurs hier un tipster qui nous avait l'air euh, vraiment très très compétent. Euh, très très... Enfin, en tout cas, de, de, du peu que j'ai vu. Euh, Qu'est-ce qu'on a Ah bah on a le jeu concours, tiens. Qu'est-ce qui se passe Cliquez pour voir le classement actuel. Là. Ah bah c'est lui, je parlais de lui. Je parlais de lui hier au Royal VTem. qui qui vraiment un compte qui, qui m'a l'air fort bien intéressant. Et là, donc, on a le classement des, des 20 premiers. Bon, après, c'est évidemment le classement, les gars, vous pouvez prendre en cours de route. Hein. Allez, Gigot, bonne émission, merci. Un film docus, c'est quoi la taverne C'est une chaîne YouTube de quelqu'un qu'on a reviewé, oui, parce que oui, pour revenir sur le programme, le mercredi, le jeudi en général, surtout le jeudi, mais ça peut être le, le mercredi aussi, on fait, euh, genre je réacte des vidéos YouTube autour des paris sportifs. C'est-à-dire que voilà, on va sur YouTube, on check la bibliothèque, on écrit un thème sur les paris sportifs dans la barre de recherche éventuellement, et on regarde ce qui nous sort, et on regarde des vidéos ensemble. Et c'est cool parce que ben voilà, on a pu voir plein de trucs intéressants, on a vu du parieur pro sérieux. Euh, qui nous partageait un quotidien euh, en nous partageant son écran. On a vu évidemment bah, les paris sportifs c'est connu pour quoi C'est connu pour ses influenceurs, ses tipsters, euh, pour euh, des vendeurs de rêves, pour des mythos, des scammers. C'est connu pour tout ça aussi les paris sportifs. Donc euh, à faire euh, très très attention. Allez, je vais boire un peu de café, moi tiens. Alors perso, là les gars dans le classement, je ne les connais pas. Alors El Shaddai, j'avais pu le suivre, il défonce la, la, la cote de fermeture. Très bon profil, alors qu'il serait selon moi méga dur à suivre. En gros, dès que les cotes elles ouvrent, c'est pour ça qu'il a un PMM très très bas. Euh, c'est que dès que ça ouvre, c'est-à-dire, je sais pas, il voit une value sur une cote à 2, bah, par exemple là, il voit une value. Euh, celui qui met bet max à 1,81, je peux vous dire que la cote bah, dans la seconde elle passe à 1,75. Euh, après, on peut voir, parce que moi du coup, lui j'ai envie de le suivre vu qu'il qu m'a l'air très bon. Pourquoi pas voir un peu les, les, les bêtes qu'il a mis et suivre, bon après, c'est pas le sujet du mardi. Le mardi en général, peut-être que ça faudrait que je le fasse un peu le lundi. Genre, le lundi, me mettre comme objectif, suivre des tipsters que, que je, que on va dire, que, que j'ai envie de suivre. Évidemment, je, je vais pas suivre n'importe qui et à n'importe quelle cote, mais en gros, ça, ça peut être cool que je le fasse le lundi en mode, aller on recherche en une Invest des tipsters, on va dire, que, qui me paraissent bons ou du moins, voilà, que, que je, voilà, auxquels je respecte le travail, qui me paraissent d'être des, 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 bons, des bons value better. Et ben voilà, essayer de les suivre. Parce que là, après, je dis ça, s'il faut, la cote, elle n'a pas chuté. Hein. S'il faut, il a pique à ce moment-là. Bam, il y a quelqu'un qui apparaît au même moment. Ou peut-être après de l'autre côté. S'il faut, cette cote de under 3, s'il faut, elle a monté. Et dans ce cas-là, ben, dans ce cas-là, encore mieux. Hein. Moi, je vous dis, les gars, c'est euh, certes un bon parieur qui va parier en early comme lui d'ailleurs. Avec un PPM très très bas. S'il est bon, la majorité des cotes vont chuter euh, direct. Voilà. Par contre, des fois, ça peut arriver, tu sais pas pourquoi, il y a des déglingues. Des, des, et il euh, y a une minorité de bêtes qui partent dans l'autre sens. Alors, peut-être pas longtemps, souvent ça reste pas longtemps, mais ça part dans l'autre sens pour après rechuter. Et donc, des fois, au final, on peut même avoir des cotes euh, plus avantageuses. Mais lui, clairement, euh, ouais, lui c'est. Euh... Putain, plus 14,23. Euh, je crois que ça, 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 ça bat la cote de fermeture de 0,5. Ça attend. 14,23. Je me suis trompé, juste je fais un petit calcul avec ma calculatrice. Divisé par 277. Ça fait 0,05 minimum, oui, oui. Donc, ça, c'est un crusher de, de, la, de la côte de fermeture. Et on le voit. Hein. Après, lui, voilà, vous voyez, c'est vrai qu'il y, y a des discours du style Ouais, mais la côte de fermeture, on s'en bat battre la côte de fermeture, c'est pas si important que ça. faut prendre des pincettes. Je pense que c'est important de ni être anti-CLV ni pro-CLV complètement. Là, si on regarde son exemple, lui, je suis sûr à 100% qu'en continuant comme ça, lui. C'est impossible qu'il ait un héros négatif euh, sur le long terme. Lui, c'est impossible. Mais, pour, mais pourquoi La raison, elle est super simple. Alors, certes, évidemment, ses bêtes sont value. Mais comment on peut le. le... Quel est l'indicateur primordial qui nous dit que c'est value C'est parce qu'il crush la cote de fermeture comme jamais. Chaque cote qu'il prend. Euh, voilà. Bah, Alors, ouf, ouf, celui-là, il fait mal. Hein. En Espagne, alors, Tercera Division, groupe 14, on, il a pris un under 3 à 1,82 qui est fini à 1,57. Alors, après, je vous l'accorde sur ces divisions-là, peut-être que le TRJ. Même à la closing, il doit être euh, très bas. Mais quand même, là, c'est un indicateur. Euh, une, il prend une cote à 1,82 qui finit à 1,57. Je peux vous dire que là, c'est sûr que c'est un bet rentable sur le long terme. Ça, il y a, y a zéro doute là-dessus. Il n'y a absolument aucun doute. Voilà, même celui-là, bah, attends, c'est où Guatemala. Putain, ça, c'est vraiment des championnats euh, que je ne fais absolument jamais. Hein? Putain. Alors, c'est sûr qu'il doit y avoir plein de value. Mais alors, ça, je ne fais pas. Guatemala, je ne fais pas. Brésil ou 20 Cup, je ne fais pas. Malte, je fais pas non plus. Putain, pareil, un Ender 2,5 à 85 qui finit à 65. C'est. Non, mais lui, c'est. Oh, il y a du France féminine Division 2. Oula, mais ça, le betmax, Max. Ok, 100 balles. Mais en tout cas, lui, je vous conseille de le suivre. Alors, essayez de, de choper à chaque fois la meilleure cote. C'est clairement un bon, un bon indicateur. Et il est gratuit. Hein. Alors, il ne le sera pas probablement longtemps. Parce que lui, c'est sûr et certain que dès qu'il arrive à 400 bets. Il va passer pro, donc faudra payer pour le suivre. Mais là, profitez au maximum pour suivre ces bêtes. Parce que... Enfin, profitez. Je ne devrais même pas dire ça, parce que ça incite les gens à parier. Donc faites comme vous voulez. Mais si vous su... checkez un tipster. Mais après, encore une fois, un mec que vous suivez comme lui. Si la cote, elle est passée de 1,81, par exemple celle-là, et qu'elle est déjà à 1,75, ou moins, euh, ne prenez pas. Par contre, si ça reste très très proche, ça va. Si la cote, elle est à 1,79. Je pense que c'est bon de suivre, quoi, du moment que ça reste près de la cote qui, qui nous a proposé quoi. Donc voilà, ouais, Royal VTM qui, qui a l'air monstrueux, lui. Après Je ne sais pas, hein, je ne connais pas sa vie, je sais pas s'il est parieur pro, s'il gagne sa vie en Paris sportif ou pas. Euh, je, je pense que oui, en vrai, mais euh, je ne sais pas. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui a rendu très bien ses fins de mois grâce à ça. Euh, tiens, qui en a un peu dans le concours Prono Quelqu'un qui est sur Twitter que j'aime bien, il propose beaucoup de contenu, il, il poste beaucoup ses bêtes. Et d'ailleurs, bah, c'est écrit là, hein, toutes les analyses sont postées sur mon Twitter. Oh, CQC, putain, buenos dias, buenos dias, Nestor, como estas? Putain, c'est incroyable. On a un tipster argentin, bah, d'ailleurs, on va aller voir son profil, qui est là dans le chat. Qu'est-ce que a Va tu savoir tout parfait ok? Des de bêtes to invest. On, on va aller voir son profil de bet to invest à, à CQC. Où est-ce qu'il en est bah D'ailleurs, il a défoncé. Todo bien, gracias, perfecto. On va aller voir un petit peu euh, son profil. CQC, bah alors là, enfin... Bon, il, a, il, il poste très peu en tout cas sur beto Invest. Après, il a des, un, un autre portal, euh, Blogabet. Euh, je ne sais pas où est-ce qu'il a aussi. Enfin, euh, c'est quelqu'un qui a aussi un groupe privé. Alors, je ne pense pas que ça soit accessible. Il, il, a, il a un groupe privé de clients à qui il envoie les bets en premier. Et après, il les pique sur euh, ses, euh, ses bilans. Et, euh, et d'ailleurs, il y a un bet qu'il a pris qui est énorme parce que j'ai regardé récemment. J'ai regardé récemment, non mais ça c'est, bah tiens d'ailleurs, attends bon, juste par curiosité, je regarde de combien, 2,96 divisé par 72, 004, ok, enfin, ce qui est quand même euh, très très bien, et regardez, il a pris une cote, hein, vamos a ver tu apuestas sobre millonarios, celui-là, est-ce qu'on peut en parler deux secondes s'il vous plaît, parce que ça c'est important, regardez, millonarios en Colombia Cup, millonarios contre Alianza Petrolera, il a pris une cote à 1,82 qui chute à 1,44. Si ça, c'est pas une sodomisation du marché, je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que là, il t'a pris. En plus, moi, les matchs de coupe, je ne fais pas, mais lui, il est très performant. CQC, c'est vraiment un spécialiste. Bah, après, on peut le voir grâce à l'historique sur le marché d'Amérique latine. Euh, voilà, donc il fait tous les championnats, bah, argentin, équateur. Euh, voilà, il est vraiment spécialisé dans son continent, on va dire, lui qui est argentin. Et vraiment, là, ça m'avait fait rire parce que je me rappelle, je voulais le suivre un petit peu. Et j'avais regardé cette cote. Ah, bah oui. Ah, bah oui. S'il y si, a des masses de salir, tenez mucho valor, valeur. Ah, ouais, là, 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 la valeur était incroyable. De 1.82 à 1.44. Et son alocura. Ok, Sabia Keiba, retard. Voilà, bah vous voyez comme quoi CQC, c'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup. Je ne pense pas qu'il soit avec des algos. Enfin, je pense pas faudrait que je lui demande hein, bah, il est là dans le chat mais à ça voilà on a un tipster vous vous rendez compte que sur le on a un top tipster euh, étranger donc d'Argentine sur le chat ça ça fait plaisir j'ai pu le contacter d'ailleurs c'est moi qui l'ai ramené sur invest je l'ai contacté euh, enfin, j'ai pu le contacter en privé euh, sur via Blogabet et je, je suis assez cool de l'avoir ramené sur la plateforme parce que là on a vraiment euh, du lourd et j'espère oh espero Nestor espero que tout va sablar mucho des à aller des d'été aya non un hein? et dans le continent des Amériques del Sud hein Así, toda la gente que a la tout le monde tiennent à bet to invest souscrire c'est à s'écraser et ces situons parce que la vérité est incroyable et que tout le peut non et et donc euh, non non mais donc voilà ça ce bet là franchement ça c'est un screen putain je peux te dire que je, moi le jour où je prends des bets comme ça je le screen et euh, je, je vous en fais des tweets tous les jours hein, ça c'est vraiment euh, beau après en soi je vous dis ça à moi ça m'est déjà arrivé. Pareil c'est mais c'est toujours sur des énormes infos où l'équipe fait tourner. Tengo una consulta, dis-moi. Alors les voya à pour ce posto si trop bien. Ah ouais ouais donc euh, mais ça vous voyez comme quoi Bonjour, salut Peter Peter Sokolov Llega. Si. Pour exemple, Quando va saligar a 400 Pix. Uh, tu estatus va a pasar profesional significa que la gente tendría que pagar cada mes para poder uh, seguirte ok pero si tú no quieres uh, tener una cuenta eh, fin, si quieres quedarte de manera gratis tú puedes también pero hay que tener el la, hay que pagar 50 al año para tener el premium pero yo, yo la verdad te aconsejo de quedarte de manera como es un sitio muy famoso fin, más famoso en francia que en todo el mundo yo te aconsejo que, que tú te quedas así um, a 400 pics con el estatus como yo pro, y así bah, la gente bah, te paga y paga. Y, y tú puedes ver aquí cuánto la gente, bueno, eso es un dólar, y cuánto, la, cuánto vas a ganar cuando la gente te, te va a seguir. Y uh, voilà esos son los precios. Y, voilà, y cuánto vas a ganar por ejemplo si tú tienes un. Une personne qui paye, tu vas gagner uh, 20 dollars cada mes dollars. Si as uh, voilà, 5, voilà, écrit escrito aquí. Voilà, c'est algo así. Pero si c'est algo que, wow, veux no quieres, tu también puedes contactar à Bet2Invest y, y et ils te vont expliquer bien exactement. Et uh, voilà, ojalá me, me entendiste. Uh, donc voilà. Uh... Mouï Claro, Franck. Perfecto, CQC. Putain, CQC, énorme. Denada. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Non, ben bah ouais, bah CQC, c'est du très très lourd. Hein. J'ai essayé de le suivre quelques fois, j'ai pas réussi parce que bah voilà, les cotes, euh, voilà, quand, quand il pique, ça chute. Quand il pique, ça chute. Alors après, pas tout. Bah tiens, L National, pas de cul. Hein. L National euh, qui la pique. Je l'ai même eu plus haut. Il, il a eu un mauvais timing de pique sur celui-là parce qu'il a eu à 1,83. Et moi, je l'ai eu. Enfin, la, la cote de L National était montée à 1,88. Pour après rechuter à un... ah, marqué 1, a ça marquait 1,77. Moi il me semblait que je l'avais vu à 1,72, mais bon ok. Bon voilà, moi je l'ai eu à 1,88 en le suivant grâce à lui. Et d'ailleurs un autre tipster aussi a posté ce bête. Oh j'ai une info elle nationale alors que lui l'avait posté deux jours avant. Je pense que l'info vient de lui. Donc euh, voilà. Donc voilà clairement CQC euh, voilà du, du lourd. Euh, qui, qui on a après donc attends je vais retourner au jeu concours tiens. jeu concours. Smart System, bon après on a très peu de bêtes. Samuel Afrite. <laughs> c'est rigolo comme pseudo, ça tient. Samuel Afrite. Qu'est-ce qu'on peut dire de Samuel Afrite Gros PMM. Bon après encore une fois, il faut voir les, euh, les mises, tiens. Ok. Je regarde toujours les mises, hein, parce que pour moi, quelqu'un qui fait par exemple du 10 sur 10 et qui euh, après il passe à 5, oui, oui, il passe à 1, vous savez de qui je parle, ça c'est euh, 1. Voilà, ça c'est le truc, bah tiens, allez hop. Alors regardez, hein. on va juste regarder les mises, les dernières mises. Bah tiens, d'ailleurs, attends, hop, son profil sans Picchio, parce que forcément, sans Picchio, euh, donc depuis qu'il est arrivé sur la plateforme, on va voir ce tipster par exemple, vraiment au hasard, hein. vraiment j'ai pris le tipster euh, au hasard. Ok, a ah, quand même up depuis, euh, depuis qu'il est passé là, mais hop là, voilà, on a fait d'abord du 10 sur 10. On a fait d'abord du 10 sur 10, donc euh, voilà, si tu divises par 10, ça fait du plus 18 et passe en 3, voilà. Après, on passe à 5, on est down, donc ça faut diviser par 5. Et ça, moins 11, qui est le véritable, on va dire, euh, voilà. voilà. Et voilà comment être sûr de ne pas fausser un bilan, parce qu'en restant à 1 unité, on est sûr de paniquer euh, son bilan. Ça, c'était... Euh... Voilà, ça c'était le truc euh, rapidos. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir après le feed Donc évidemment, vous avez le feed sur B2Invest pour voir tous les euh, mecs qui, qui postent leurs pics. Alors évidemment, quand il y a des pics payants, normalement c'est affiché. Attendez, on va le voir. Euh, Peut-être il y a Raichara qui est là. Raichara qui, euh, qui run vraiment euh, bad. Clairement. Enfin, je crois, hein. J'ai pas revu depuis. Ah oui, là, ça prend tempête, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça prend une tempête. Ah bah tiens, il a pique beaucoup. Ah bah tiens, ça m'intéresse parce que moi j'ai pique beaucoup en Ligue 1, Ligue 2. J'ai pique beaucoup là en, en Angleterre, Ligue 1 et, et, et enfin en Division 3 et Division 4. Putain, il a pique beaucoup. Ok. Ouais, ça, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Là, il a pris Bordeaux. Putain, alors que pour moi la value était sur le nul là. À 3,40 et quelques. Pour moi, c'est clairement le nul là. Mais c'est sympa d'être de, de, en désaccord. Moi, c'est ça que j'aime bien. Euh, on va dire entre type sœurs, entre gens sérieux, d'être en désaccord parce qu'en étant en désaccord, on peut parler, on peut échanger et voir que, ben, je sais pas, il y a, y a peut-être des, des infos ou des arguments qui font que. Ah non, alors là, je, par contre, je suis pas d'accord le Tenerife parce que pour moi, il y, y, y a clairement value sur Tenerife là. D'ailleurs, faudrait que je regarde deux secondes. Ah bah ben non, j'ai pas ouvert, merde. Non, bon, bref, c'est pas grave. Là pour moi, je, je sais plus, hein, il faudrait que je check, mais je crois qu'en Espagne Division 2, ça je peux vous le donner comme ça. J'ai vu là au réveil que la cote de Tenerife elle a monté et pour moi il y a value sur Tenerife sur ce match. Et donc là pareil, c'est intéressant de voir que lui, euh, bah pour lui il y a value de l'autre côté sur le Racing Santander à 4,83. Enfin euh, il y a value. Je pense qu'il y a value aujourd'hui parce qu'il me semble que Tenerife est monté à 2,15. Attendez, je, je vais regarder quand même. Deux secondes. Hein. Enfin en tout cas, euh, attendez, hop. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'être pas d'accord ne veut pas dire, tu vois, qu'on va se manquer de respect, on va, on va, être là et dire ah oh non mais c'est sûr, regarde, c'est ça, c'est ça et puis c'est tout. Genre, on s'en bat les couilles, y a pas d'ego ici. Tenerife, ouais Tenerife la cote a monté. Après pour l'instant il bat la cote de fermeture hein, et là il la pique à 4,83. Waouh. Ah oui il la pique. Je sais pas à quel moment il la pique. Waouh. Racing Santander, Ah oui par contre à 4,83 c'est une très belle cote parce que je regarde le marché, le marché est à 4 là. Ah oui là il, là, il, a, il a pris un méga Top pick. En ouais. revanche, là, par contre, maintenant, je trouve que clairement, là, la cote de Racing Santander est trop basse. Alors après, peut-être que. Euh, attendez, je... ça, ça m'intéresse. Même... Espagne, peut-être qu'il y a une info. Ok, les Vente, ils ont des doutes. Ah non, ils ont des outs. Andrés Garcia en attaque qui est out. Ils ont l'air ils ont d'avoir un attaquant aussi en défense out. Enfin, en défense. Un autre attaquant. Ouais. Ok. Andrés Garcia, il a joué six matchs. Il a... Donc, euh, probablement, l'attaquant. Mais non, pardon. Je... Je... je regardais même pas le bon endroit. Attends, Espagne. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Alcarcon, Tenerife. Attendez, je vais voir. Tenerife. Ça y est, je suis dessus. Il faut que je rentre dans mon compte Injuries and Suspension. Un abonnement payant pour voir euh, quand les groupes sortent. Il y a les blessés suspendus. Ça, c'est quand même pas mal. Tenerife. Ah, Tenerife, il manque le capitaine, un milieu de terrain. Ok, ils ont des absents. Mais quand même, hein, moi, personnellement, de ce que j'ai vu, là, la cote de Tenerife, elle est sortie. 1,88, elle est actuellement à 2,15. Et pour moi, je dis bien pour moi, j'irai pas jusqu'à dire à, à, que je suis sûr qu'il y, y a value à Tenerife à 2,15. À en revanche, euh, Lay, cote à 4, pour moi, c'est trop bas là. Par contre, euh, vraiment, ça c'est euh, pour moi euh, là. En tout cas, Raichara, c'est bien. Il a, il, a, il a su bien anticiper. Si on parle de son bet à lui, il a su bien anticiper ce bet à 4,83. La cote à 4, là on peut être euh, quasi sûr que. Que à cette cote-là, ça, ça, ça devrait être rentable sur le long terme. En revanche, là, je vous dis qu'aux codes actuels, euh, Racing Santander à 4, c'est trop bas. Hein. Je comprends pas. Après, ça, encore une fois, les values sont, j'ai envie de dire, subjectives à partir du moment où on va contre le marché. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec le marché, on peut. Voilà, on peut juste... Euh, comment, comment dire Voilà, on peut juste dire que c'est value selon nous, et ça n'engage que nous, parce que forcément, le marché nous donne tort en soi. Le marché ne nous donne pas raison. Donc... Euh donc euh, voilà, ça c'était pour la petite euh, parenthèse. Il n'est pas là, Raichara d'ailleurs. Mais ouais, Bordeaux-Camp, d'ailleurs Bordeaux-Camp, pour moi c'était un match avec. Euh, pour moi c'est un match à, à match nul là. Hein. Enfin. Bordeaux-Camp, je vais regarder. Bah, oh, ah non, Bordeaux-Camp, la cote elle a monté de le, le N. Putain, mais bah, je vais me positionner alors. Hein. À 3,52 Et lui il a pris Bordeaux à. Non, ouais, lui il a pris Bordeaux à 2,02, 2,01. Euh, 3,52, le, le nul est abusé là, hein. Faudrait que je regarde, là, j'ai pas l'algo, j'ai pas à jour, j'ai rien, là, sous les yeux, vu que je suis en stream. D'habitude, je l'ouvre quand même sur le côté, mais là, attends, à 3,52, là, il y, y a un spot, là. Hein. Je pense que je vais parpaing, là, euh, sur le nul, enfin, pour revendre peut-être après, mais euh, là, c'est n'importe quoi. Yo, Valentina, comment ça va Salut, merci d'être là, Valentina. Euh... Ouais, non, ben... Mais vous voyez, voyez c'est marrant, parce que, voilà, on n'est pas d'accord sur tout, et c'est ça qui fait... Euh... Moi c'est ça que j'aime quoi, j'aime être en désaccord, j'aime... Enfin voilà, du moment que c'est dans le respect et que voilà, c'est que... Et donc et donc c'est cool. Bon allez, Raichara, donc ouais Raichara c'est... Ça c'est sûr qu'on peut pas dire que ça run good, ça c'est une certitude. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir On peut lire un blog aussi sinon Là il est quelle heure Il est 4h30. Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez voir Ah bah tiens Parce que je sais qu'il me regarde, sans qu'il parle, on va aller voir Lou Loup, tiens. Loup, 71 bêtes. Ah, tiens, ça a changé là, euh, il me semble. Stratégie draw axée sur la CLV. Objectif un point de CLV tous les 30 matchs. Je ne pique pas sur cette stratégie. Ah, Mutos, yo yo yo, ça fait plusieurs fois que tu regardes sans parler. Et là, le loup qui sort, euh, qui sort de la forêt. Comment ça va en tout cas, merci au moins de, de regarder, et puis, euh, puis là merci de m'envoyer un message, c'est cool. Je ne pique pas sur ces stratégies, Donc ça vous permet de bénéficier des cotes plus authentiques. Oui, donc en gros, oui, c'est-à-dire que si tu piques pas, il y a plus de chute. Enfin, il n'y a, a pas de chute de cotes causée parce que tu as pris le bet sur Pinnacle vu que tu fais que de l'exchange et que voilà, tu, tu fais que du trade. Tu essaies de prendre le plus haut possible à chaque fois. Revendre le plus bas possible à chaque fois. Et puis ça crée, ben ça crée un bénéfice à chaque trade qui passe. Yo Kiyu, comment ça va? Kiyou, tu devrais te créer un compte sur Bet2Invest, hein. j'aimerais bien que tu te crées un compte sur Bet2Invest, c'est la justice, on devrait tous être sur Bet2Invest, après bon peut-être que voilà tu as, as plusieurs plateformes, mais en, mais en plus l'avantage c'est que c'est méga rapide hein, Kiyou. Hein, pour euh, parier c'est très très, euh, voilà tu cliques sur parier, tu mets le nombre d'unités, euh, c'est beaucoup plus complet qu'un blog à bet par exemple, euh, même si c'est bien Blogabet en soi, mais le problème c'est que, enfin, en fait, pour moi, Beto Invest, c'est comme Blogabet, mais tout en mieux, en fait, tout en mieux. Euh, donc, euh, ma foi. Après, bon, voilà, je, je peux comprendre si, si t'as la flemme parce que tu as déjà plein de, de bilans de tipster Enfin, si tu utilises, je veux dire, plusieurs autres sites. Alors, Kiyu, 71 bêtes plus 2,22, ça fait, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup par rapport au nombre de bêtes, divisé par 71. Ouais, ouais, c'est du 003, c'est beau. Non. Non, ça aurait pu être intéressant. J'ai pas compris. Ah, tu veux dire que ça aurait pu être intéressant que, que t'aies un compte, mais, mais t'as pas envie. Mais non. Ok. Ok, bon, bah, il run bad. Enfin, il run bad, bah oui, forcément, s'il est down. Tiens, en plus, ça m'intéresse les pics. Euh, ça, c'est des pics que j'ai pas pris. Bah, tu vois, bah voilà, Bordeaux. Voilà. Bordeaux-Camp. Bah, vous voyez, voilà. En plus, c'est énorme parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure en voyant. Ah! Ah merde! Ah, un pro ah, je suis bloqué! Ah, ok, bon. Okay, bon. bon Alors, s'il y, y a des contentieux, bon, ok, euh, mais pas de soucis. Enfin, voilà. Zéro drama ici, mais d'accord. Euh, vous voyez, bah, c'est énorme parce que j'en parlais justement en voyant le, le pic de, de Raichara quand il a bête Bordeaux et que moi j'avais check la Ligue 2 et j'avais dit, bah tiens, euh, tiens, il y a. La, moi, pour moi, la, le, le N était éventuellement intéressant. Je l'ai pas pris, hein, pour l'instant. Je vous dis la vérité, j'ai pas pris. Mais là, quand je vois que la cote est montée et on voit que Lou est, enfin, est d'accord avec moi. ou Plutôt, je suis d'accord avec Lou parce qu'en plus, lui, il a piqué quand le 27. Oui, oui, bah oui, il a, il a vu bien avant moi. Donc, je suis d'accord avec lui parce qu'il faut, faut pas s'approprier. Quand quelqu'un pique avant toi, il faut, il faut lui rendre, euh, faut rendre à César, euh, hein Merde, c'est quoi la, la phrase Faut rendre à César ce qui est à César, non rendre aux romains ce qui est aux romains non mais voilà il a piqué avant moi vous voyez bon, moi je le trouvais intéressant mais je l'ai vu hier pour vous dire la vérité et là on voit ah je, tu l'as vu à 351 mais j'ai déjà piqué ouais mais moi clairement moi 352 donc vous voyez que là loup qui bat la cote de fermeture sur euh, en tout cas là sur les, le peu de piques qu'il a certes l'échantillon est faible mais euh, mais pour moi c'est représentatif et ben là vous voyez vous pouvez le suivre d'ailleurs je le prends Attendez, hop, hop hop je vais le voir sur sur mon compte sport j'ai un compte euh, j'ai un compte actif sportsbet.io, je vais voir à combien je l'ai parce que je vais le prendre parce que pour moi c'était value et, et si je vois que toi tu confirmes, enfin on est tous les deux d'accord pour dire que le draw est trop quand, sur le match de Bordeaux Camp, bah, bah ça me conforte encore plus dans l'idée que. Et en plus la cote a monté. Franchement, si la cote était restée peut-être à 346, j'aurais euh, peut-être pas pris. Enfin, ou, ou si elle avait chuté, on va dire. Mais là, 352 sur Pinnacle, je vais prendre. Hein. Donc voilà, on va prendre un bet en live. Ah, j'ai du 350. Est-ce que j'ai le droit à un boost Non. J'ai du 350 ici. Alors merde, attends. Attends, je. Un jour. Outsider. Ah oui, Outs. Un jour, m'a envoyé un copier-coller pour la plateforme. Out un jour m'a envoyé un copier-coller pour la plateforme et je l'ai bloqué comme je fais. Avec... Comment ça, les copier-coller Je ne connais pas. Rien de plus, ok. Ok, ben je ne je, je sais pas. Bon, bref, c'est vos histoires. Du moment que. Après, on peut régler. On, je, je peux être un médiateur aussi. On peut régler les histoires en live. Hein, mais du moment que c'est fait avec respect, sans insulte. S'il y a des contentieux, voilà, sans insulte, on discute. Ok, un copier-coller pour te. Bah ça c'est pas euh, c'est pas méchant euh, Kiyou. Je sais pas, ils font de la pub, ils font de la promo. Ah, tu veux dire pour toi c'est un manque de respect quand, quand tu connais quelqu'un depuis des années. Ah je vais me faire l'avocat de Bet to Invest, et, et encore je respecte euh, tous les deux, hein, mais... Euh, franchement, moi si je monte un business, tu vois, enfin j'ai un truc, je vends un truc, j'envoie des, des MP, euh, on va dire des messages automatiques à tous mes, à tous les, mes contacts, tu vois. Ah, tu veux dire que ouais, toi, tu aurais aimé qu'ils viennent te voir indirect. Euh, voilà. Tu aurais préféré Kiyou qui vienne te parler en mode humain, humain, sans copier-coller, quoi. Ok. Alors, si je peux me permettre, Kiyou, je ne sais pas. Après, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais tu as peut-être été un peu sévère, si je peux me permettre. Tu as peut-être été un peu sévère, mais après, je peux te comprendre. Moi aussi, je préfère. J'avoue que quand je reçois des messages aussi, je te dis la vérité, quand je reçois un message, un mec qui balance un projet, un mec qui ne me parle jamais, il arrive. Euh, tu vois, genre il arrive euh, et juste bam copier-coller alors qu'on se connaît euh, depuis 4 ans, je sais pas, ou 10 ans, et genre ni bonjour ni rien, bam copier-coller. C'est vrai que ça peut jeter un froid, mais bon, après faut se mettre à la place de tout le monde et voilà. Fin... Ouais, ok, juste deux phrases avant et après envoyer le copier-coller. Ok, bon. Guingamp, Grenoble, le draw, grosse CLV actuellement. Attends, Guingamp, Grenoble, j'ai pas tout checké. Grenoble. Guingamp, c'est vrai que putain là, comme ça, rien que visuellement, Guingamp Grenoble à 3,45, ça paraît très haut. D'ailleurs, tu les as piqués quand Ah, mais c'était il y a pas longtemps, c'était avant-hier. Euh, Guingamp Grenoble. A 3,45, t'as piqué. Ah, c'est à 3,45, là. Attends, ou alors j'ai mal lu ton message, euh, Mutos, attends. Guingamp... Ah, tu veux dire que... Ah ok, j'ai pas compris, Mutos. En gros, là, là, parce que là, je vois la cote, elle est à 3.45. Tu veux dire que là, elle est à 3.45, mais pour toi, elle va finir beaucoup plus bas C'est ça, en gros, c'est ça que tu veux dire Ah oui, voilà, tu veux dire que le droit va baisser ok. Je vais le checker moi aussi de mon côté, parce que si je suis d'accord avec ça, avec toi, là, c'est juste que j'ai rien. Enfin, j'ai rien d'ouvert. Je... je vais checker tout à l'heure. Attends. Après, putain, faudrait peut-être que je me bouge le cul. Le match, il est à. Ah non, il est dimanche. Ah, mais j'ai le temps. Bon, après le stream, je check de mon côté. Et si je suis en accord, en phase avec toi... Pas, je vais le parpaing aussi, je le piquerai pas évidemment sur mon bilan, d'ailleurs c'est ce, ce que je fais, je pique jamais sur mon bilan bet to invest un truc que je vois ailleurs, même si euh, ça serait facile de faire comme beaucoup, de se l'approprier, de dire les gars j'ai une info, faut bet ça, alors qu'en fait putain tu, tu peux au moins citer les sources, c'est dommage, après c'est que, que mon avis. Euh, ok bon, alors bah, là on était sur Lou, euh, Lou qui a du France, ouais donc Bordeaux, là, là par contre ça je sais que je l'ai vu. Guingamp-Grenoble, je l'ai pas vu. Pourquoi je l'ai pas vu d'ailleurs, attends. J'étais où Ah bah oui, parce que je regardais le match. En fait, j'ai regardé... En Ligue 2, j'ai regardé que le Bordeaux-Camp, d'ailleurs. Ah bah d'ailleurs, il faudrait se bouger le cul, le match il est, il est bientôt, là. Donc, attends, attends, attends. Hop, hop, hop. Euh... Bon, c'est pas grave. Pas grave. Euh... Attends deux secondes, donc, il faut que je regarde, parce que du coup, là, il est cette là Ok. Bon, bref. Allez. Euh, bah voilà bah voilà donc voilà loup spécialiste bah d'ailleurs c'est ma spécialité aussi les draws hein. moi pour le coup j'en parlais moi clairement enfin là où j'estime où c'est ma spécialité où je suis entre guillemets le plus calé c'est clairement les draws et après forcément là maintenant je me diversifie fin, depuis même longtemps en essayant beaucoup de stratégies bah, sur les 1x2 over under notamment Tu suis les matchs quand tu draws Non bah, je suis le résultat, quoi. Et oui, je suis un petit peu les, euh, les stats primaires, on va dire. Euh, ça ça m'intéresse toujours de voir euh, si ça a été vraiment un match à over ou under euh, au niveau de, de la physionomie du match et tout, quoi. Mais sinon. Euh, sinon... Ah, tu parlais à Mutos. Bon, de bah, toute façon, je réponds aussi. Salut Franck, tu penses quoi de France Paris C'est un bookmaker français. Euh, voilà, comme tous les bookmakers français, c'est des bookmakers qui proposent des codes plus basses que sur le.com, le que sur. Euh... Mais tu checks post-résultat ou live Ah non, non, jamais en live, moi. Jamais en live. Non, non, moi je regarde après. Bah, tu sais, moi j'ai une stratégie sur les draws, enfin j'en ai même plusieurs, mais bon, bah, je vais pas trop rentrer dans le détail non plus, mais, mais en gros, euh, voilà, je, je regarde les, les matchs, oui, je regarde le résultat et je regarde oui euh, qu'est-ce qui s'est passé. Alors oui, certes des fois euh, tu paries draw parce que tu penses que c'est un match très équilibré où il y aura peu de buts espérés, alors qu'au final ça part en couille, mais après ça c'est aussi la variance. Mais au final, euh, moi, je, 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 je pique rarement les draws en me disant j'ai fait une erreur. Alors, certes, évidemment, des fois, y a, ça arrive de faire des erreurs, surtout quand on ne bat pas la cote de fermeture, par exemple, ou que la cote a monté. Il y a forcément des fois des infos qui passent, comme les, une équipe qui a fait tourner ou autre. Mais sinon, moi, je sais que ma stratégie sur les draws long terme, elle crush. Ça, j'en ai la certitude. J'essaye de prendre les meilleurs qui piquent possible. Et euh, je sais que ça, ça gagne sur le long terme. Alors, certes, le problème des draws, c'est que c'est une cote moyenne à 3. Et encore, loup, bah, bon, là, Lou, il a à 3,40 même. Euh, plus haut que moi, mais moi j'étais à combien 3.1 ou 3.2, je sais plus. Bah même des cotes à 3, les gars, c'est une variance phénoménale. Tu te manges une variance, moi le pire mois j'ai perdu 10 000 euros quand même. Un peu moins de 10 000 euros, 9 007 ou 9 008, ça fait mal. Ça c'était mon pire mois, c'était en décembre 2021. Et mon meilleur mois c'était en septembre 2021 où j'ai gagné 12 000 euros avec cette stratégie. Alors certes, évidemment, euh, j'ai plus jamais refait des mois énormes comme ça, ni à 5 chiffres, enfin... Comme là, c'était le seul de ma vie, quoi. Mais j'ai run très très goût dans septembre 2021 euh, sur les draws, en faisant que des draws. Et, euh, et voilà, et quelques mois après, j'ai pris Tempête. Donc en fait, fin, la variance, elle est énormissime. Tu peux pas, tu ne peux pas. C'est-à-dire qu'à moins d'être le plus gros chatard, euh, et bah, vraiment, tu runs euh, Jésus. Mais sinon, c'est normal de te manger des variances à moins 30 unités, quoi, sur une stratégie, quoi. Sur, surtout sur des cotes moyennes aussi hautes, même si la stratégie, elle est gagnante. Vraiment. Alors après, évidemment, si t'as un héroïde de 10-15%, la variance ne t'impactera pas parce que tu, tu prends tellement des pics, tellement value que la, la variance, elle est beaucoup moins. Enfin, elle est beaucoup, il n'y en a presque pas d'ailleurs, même à, à cette échelle-là. Et donc. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vais boire un peu de café. Dorado aussi en parlait, mais ça, c'est la vérité. Et plus le bet, la cote moyenne est haute, donc si tu as une cote moyenne à 5, à 6, à 7, mais les gars, la variance que c'est. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Vous pouvez très bien trouver des grosses values sur des cotes à 7 à 8. Il n'y a pas de problème, évidemment. Mais les gars, si votre cote moyenne elle est à 5, 6, 7, les gars, c'est normal de se manger, même si c'est des values, tous des values, c'est normal de se manger une série de 0 sur, euh, sur 20, sur 25. C'est normal. Les gars, c'est normal. Et ça, quand je le dis, il y en a, ils ont du mal à me croire. Moi, ma pire série sur les draws, de passer. Alors, je ne sais plus, je, je crois que c'est 1 sur 13 ou 1 sur 14. T'imagines En gros, j'ai perdu. J'ai gagné 1 nul et j'en ai perdu 13. Ou 14, vous vous rendez pas compte enfin, Et à chaque fois je mettais 300 balles, hein. fais le calcul. Hein. Fais le calcul, hein. voilà. Donc mon pire bad run en très peu de temps, voilà, c'est 300 fois 14, voilà, allez hop. Allez, on perd 4000. On perd 4000 balles. Je peux te dire que euh, quand tu perds 4000 en très peu de temps, euh, tu... Euh... Ah, t'es à 10 d'affilée, sérieux J'ai pas vu, attends. Ah oui, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'as fait 1 sur 10 là, ok. Attends, que je compte bien. Même sur des cotes à 2, tu peux faire des 0 sur 15. Alors, ça, j'ai pas les chiffres, malheureusement, pour faire un. Je J'ai pas de simulateur de variance fiable pour te dire ça. Par contre, si tu veux mon avis perso, un film docu, 0 sur 15 sur des cotes à 2, euh, si elles sont value, ça me paraît pas possible. Hein. Après, c'est que mon avis. Peut-être que tu as raison, et je, je te fais confiance, mais ça, ça me paraît très curieux. 0 sur 15 sur des cotes à 2. Ou alors faut. Si, ah oui, si c'est des cotes à 2 qui valent 1.7 euh, qui valent, valent 1.7, justement, qui, qui valent plus, pardon, qui valent 2.2, 2.3 parce que c'est des cotes de merde sur le .fr. à la limite, je, je veux bien, mais franchement, une cote à 2 qui est value, euh, t'en passes 0 sur 15, c'est-à-dire que 0 sur 15, tu fais 0 pile ou face, tu fais 15 pile ou face, et tu perds. t'en gagnes 0, ça me paraît pas possible. Après, ça, ça n'est que mon avis. Dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord avec moi ou pas. En faisant du volume, ça va vite. Non, mais attends, 0 sur 15. Non, mais peut-être. Je dis juste que, voilà, j'ai pas les chiffres. Mais là, tu vois, si on regarde pareil, Mutos, bah voilà, si on prend... Euh, tu vois, allez, attends, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Pourquoi il y a une... A... Ah oui, sur 19, t'en as passé 2 sur 19. Ah bah oui, là, on peut parler d'un... Non, c'est ça où je, où je dis une connerie. T'en as passé 2 sur 19, là. Bah voilà, ça, c'est de la déchotte. Putain, Rouen-VGG d'ailleurs, attends, il est où rouen martique vgg hein, euh, je l'ai vu après coup. Ça, c'est vraiment un très très beau pic. Hein. Je l'ai vu après, enfin, toi, t'as as bien anticipé parce que t'as du pic euh, euh, plus vers l'early. Enfin, je sais pas quel jour t'as pic, le 27, je sais pas quand est-ce qu'était le match. Deux jours après, ok. Ça, je l'ai vu après, enfin, parce que je l'ai checké après euh, un match de National. Bah, pour moi, la cote avait déjà chuté. Enfin, euh, mais alors ça, 3,41. rouen martique j'ai vu, ça, c'était un match. Mais alors, hein, putain, un match à haine, ça celui-là, il est très très beau. Après, le reste, je n'ai pas checké. Ah, tu vois, bah, par exemple, lui, tu vois, bah, pareil, là, je ne suis pas d'accord. Si, euh, bah, là, quand il fait 3,68, tout 3,48, ça, c'est un très bon pic. En revanche, moi, j'avais piqué l'Atletico Madrid, quand as 2, à 2,20, je crois. Je l'ai pique à 2,20 ou 2,15, je ne sais plus. Et ça avait fini à 2, je crois. Enfin, pour moi, là, en tout cas, la value au moment où j'ai checké. Mais ça, encore une fois, tout dépend à quel moment tu check. Forcément, lui, par exemple, Mutos, donc euh, Lou. Il a checké à ce moment-là et on voit que clairement bah, il a eu à 3,68 et que la cote a chuté, donc c'est un bon pic. Moi au moment où j'ai checké, c'était plus tard et la cote du droit avait déjà baissé. Et par contre la cote de l'Atletico Madrid avait monté. Et pour moi, elle avait trop monté et je l'ai piqué je crois à 2,18 ou 2,20. Et euh, elle a chuté à 2, je crois, et j'étais très content parce que, bah, voilà, parce que le bête est passé, bah, voilà. bête passée, cote de fermeture battue, fin, sur un gros marché, grosse liquidité, donc on est, on est content. Hein. Bah, attendez, putain, maintenant je, je veux savoir, Attends, mes stats. Maintenant j'ai envie de savoir, historique. Maintenant j'ai envie de savoir... Spagne, Espagne, Espagne, Spain. Seconde... Mais attends, c'était quand Ah bah voilà, c'était là. Osasuna, Atlético Madrid. Voilà, 2-18. J'ai piqué à 2-18, moi je l'ai même eu à 2-20 d'ailleurs. Et ça a fini à 2-0-1, hein. donc là j'étais assez content sur 4005 ça c'est beau mais d'ailleurs peut-être que je focus plus les, les gros championnats parce que mais, mais, mais en or du Market parce que clairement je vois des trucs aussi sur les gros championnats avec des grosses liquidités je vois des trucs euh, où vraiment enfin euh, voyez là il y avait quand même 4005 de liquidités et pourtant j'ai quand même trouvé une value euh, cool quoi on va dire euh, cool quoi tu vois sur l'Atlético Madrid après je l'ai eu au pic de la cote bon timing et tout mais euh, ouais ok donc allez tipsters. Non, en early, je pense pas que ça soit. Bah après, il faudrait regarder au moment de la, la, les codes d'ouverture sur, sur Pinnacle. Hein. Mais non, 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 les, les gros championnats. Attends, bah, je, peux, je, peux, je peux te dire, parce que j'ai le, le, bah, le programme, euh, évidemment, qu'il faut mettre en avant de bet invest qui propose un, un, une formule payante pour être alerté des codes d'ouverture, qui est vraiment très intéressant. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire Qu'est-ce qui a ouvert en gros championnat que j'ai euh, on a les codes sur Augsbourg. Ben, là, il y a marqué 1000, là, sur, euh, sur le match Augsbourg euh, contre heinz C'est quoi, c'est... Putain, je sais même pas si c'est en Allemagne 1 ou 2, ça. Euh, Leipzig. Leipzig a ouvert à 100. C'est possible, ça Ah non, c'était la première mi-temps. Pardon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Leipzig, c'était de la première mi-temps. Nottingham Forest Luton. C'est du 250. Nottingham Forest contre Luton. Town. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Burnley, Brentford, Brentford, Burnley, pardon. Ça a ouvert à 250. Le Bet Max. Donc vraiment, en early. Enfin, c'est quand même bas. Mais early, early, c'est vraiment bas. Hein? Après, attends, à voir. Hein? Après, par contre, évidemment, plus tu te rapproches, plus euh, voilà, l'équité augmente et c'est cool, quoi. Bundesliga, ouais. Non, non, mais early, early, c'est, c'est pas, ça vole pas où? Hein? Enfin, ça vole pas où. Après, tout dépend pour qui, évidemment. Moi, je mise 300 balles d'unité en moyenne. Enfin, on va dire. Ah forcément, quand je vois un bet max à 150, 200 ou 250, 250 encore ça va, je pourrais prendre, mais du coup, mais du coup, euh, mais du coup euh, voilà. Alors, on en est où Mais ouais, mais Bordeaux-Camp, là, le match, là, le ouais, je, je suis intrigué, là. Hein. Ah bah tiens, ça vient de chuter à 3,47. Le, le nul, là, il y avait moyen même. Oh, il y avait moyen de l'avoir ce matin, à 3,58 même. t'as voyez, ça fluctue pas mal. Hein. Ça fluctue pas mal. Euh, on en est où Ah bah tiens, attends. Tiens, Raichara, il a fait un post il y a 23 minutes. Bon, ça, on pourra peut-être le voir un autre jour. Bon, euh, qu'est-ce qu'on peut voir, les gars Il nous reste... Bon, il nous reste... Ah putain, non, ça va, il est, il est que 16h50. Il nous reste pas mal de temps. On pourrait lire un blog. Qu'est-ce que vous voulez faire Ou est-ce qu'il y a un profil qui vous intéresse Est-ce que vous voulez qu'on voit un profil en particulier euh, sur Bet2Invest qui peut être intéressant Qu'est-ce qu'on peut voir à ma guise Bah tiens, à ma guise, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. J'ai un simulateur de variance avec une cote à 2, à un moment il fait 2 sur 15. Ah eh oui, mais 2 sur 15, c'est déjà pas 0 sur 15. Là, 2 sur 15, déjà ça me paraît plus probable, si je peux me permettre. Encore une fois, je donne mon avis, j'ai pas de chiffres basé, enfin c'est juste je, par rapport à mon expérience. 2 sur 15, déjà, ok. Bon, c'est violent, hein. c'est extrêmement violent. Et d'ailleurs, sur des cotes à 3, je suis intéressé par ton simulateur de variance. Moi, voilà, moi, je t'ai dit. Euh, parce qu'il y en a qui étaient choqués quand je leur ai dit j'ai fait 0 sur 13 et ils me disent, mais attends, c'est pas possible, cote à 3, 33% de chance de, que ça passe, ou même 30, tu peux pas en perdre 0 sur 13. Bah écoute, moi, ça m'est arrivé. Donc à un moment donné, je suis 100% pour la théorie. Euh, c'est méga important, mais, mais la pratique, à un moment donné, c'est ça qui, qui te fait vivre la chose, qui te fait prendre conscience des choses. Parce que tu vois, par exemple, mon expérience perso. Dude Comment ça va, Dude Salut, ça fait plaisir, tiens. Ça fait plaisir. J'ai déjà fait 0 sur 4. 0,14. Tu as déjà fait 0 sur 14, tu veux dire Sur des cotes à combien Des grosses cotes, j'imagine oh. Non, non, sur des cotes à 1, à 1,2. Ah, d'accord. Ah, avec des cotes de 1,8 entre 1,8 et 2, mais pas tous EV, ok. Ouais, bon, après, même si c'est pas tous EV, on va dire que même si c'est EV0, euh, ah ouais, ça me paraît violent quand même. Hein. Bon, ok, mais bah, tu vois, ça veut dire que moi j'aurais pu connaître un pire run, alors, hein, sur des cotes à 3. Hein. Avec mon 0 sur 13, j'aurais pu connaître un plus, je pense. Hein. Parce que de toute façon, il faut, faut toujours se dire, je pense qu'il existe pire. faut arrêter à un moment donné de dire, je pense chacun. Et d'où, il sait très bien, de, je pense, de qui je parle, de dire, mais on n'a pas de chat, ce qui se passe, ça arrive 0,0001% du temps, notre run, il est horriblissime, c'est pas possible, regarde, on bat les cotes, on fait ci, on fait ça. là, voilà. Non, non, à un moment donné, faut arrêter. Je pense qu'il y a toujours pire déjà. Même moi, tu vois, je suis pas là en train de dire le, le mois où j'ai perdu 10 000 euros. Je suis pas en train de dire, waouh, ouais, j'ai vécu le pire run de ma vie. Enfin, oui, c'est le pire run de ma vie à moi. Mais s'il faut, j'aurais pu connaître pire, en fait. Et peut-être que quelqu'un a connu pire. Tu vois À un moment donné, faut pas rester figé sur. Euh, sur. Mais non, c'est pas possible, putain, et pourtant je suis trop fort ici. Si, mais non, faut rester humble à ce jeu, faut rester humble. Et pas, voilà. Donc, euh, ok. Mais ouais, putain, 0 sur 14, c'est vraiment pas de chat, hein, quand même. Hein, sur des cotes à 2, même en moyenne. Ah ouais, bon bah ok, bah tu le dis, d'où je vous crois. Hein. Moi, mathématiquement, ça me paraissait pas possible, mais bon, bah là tu me. Ah bah voilà, je, je, je sais que tu dis vrai, donc euh... bah, je tombe de haut. Vous voyez, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Bon, sinon, alors on fait quoi On voit des. Euh... Ah bah d'ailleurs, BP qui s'est pris The Retour de Bâton. Hein. BP il s'est pris le retour de Bâton. Waouh, celui-là il fait malin. Le retour de bâton, il fait malin. Hein. BP, aïe. Euh, qui c'est qu'on a Est-ce que bah tiens, des gens dans le chat qui ont un compte Bet2Invest, les gars. Allez, mouillez-vous. C'est pas grave, même si vous êtes down. Hein. Regardez, j'ai vu des comptes down. On s'en fout. Enfin, le but c'est pas de dire ah oh, putain, lui il est nul, lui. Enfin, voyez. Ouais. Allez, quand je trouve quelqu'un fort, je vais le dire. Si je trouve quelqu'un nul, bon, ça va. Je prends des pincettes ou je, je dis rien quoi, tu vois. Il y a Youbet aussi, Youbet qui est pas mal, hein, qui, qui poste beaucoup sur Twitter aussi. Hein. Euh, lui là. Par ailleurs, foot et cyclisme. Il a un blog à bêtes avec plus 6% sur 700 bêtes, ok. Ok, tu fais 10 000 fois pile ou face. Il y a un scénario où tu peux faire 15 fois pile d'affilée. Un film docu, bah ok, bah je te crois. Bah merci, merci pour ces précisions, je pensais que c'était pas possible. Vous voyez, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je stream aussi, c'est parce que j'apprends des choses tout le temps. Tout le temps, on apprend, tout le temps, on est là, on, on regarde. Voilà, on essaye de mettre de l'ego de côté. On, euh, voilà, il n'y a pas de... voilà. 14 viewers, franchement c'est un petit stream, hein. et Broken Files, je, je, je t'ai salué, oui je t'ai salué, et bien sûr Broken Files qui est b to invest évidemment, euh, qui est là si vous avez des questions par rapport à la plateforme, vous pouvez aller euh, vraiment, euh, vous pouvez poser des questions là dans le chat, il est là, et il pourra vous répondre, ou les contacter directement aussi, euh... ah bah tiens, ah oui un truc que j'aime bien regarder aussi, putain hier j'ai posté deux piques, les deux passent pas, putain c'était au Chili, alors j'ai vraiment, j'estime avoir vraiment déchaté là pour le coup, euh, merde, 510, 500, sur 500, qui a, qui a un gros héroï sur 500 bête minimum Personne Attends, oui c'est là, ah merde, je suis où moi Ah oui je suis là, hum. je suis là, regardez, on est, on, on est, on est combien là Bon Momo il est devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est sixième en termes de ROI, c'est cool ça, à partir de 500 bêtes évidemment, c'est cool Bon, je ne suis pas en train de dire que 5% c'est monstrueux euh, sur cet échantillon. Voilà, ça peut stagner, ça peut baisser avec le temps. Très sympa ton stream en tout cas. Bah écoute, je te remercie. Hein. On, on essaye de. Voilà, on lance des streams. Je t'avoue qu'il n'y a jamais de plan très défini. Bon, à part le. Yo Comment ça va, Rimon Ça fait plaisir, tiens. D'ailleurs, Dorado, il a fait une vidéo YouTube sur ça. D'ailleurs, on en verra des vidéos de Dorado un petit peu. Euh, il en a fait récemment. Euh, on le verra jeudi, je pense. Euh, par rapport à ça, ça, ça peut être cool. Où justement il explique justement euh, dans une des vidéos où, où en fait voilà il dit bon bah les gars ah ouais euh, 5% ou 6% c'est nul ou 3% c'est nul 4% allez on va voir maintenant qui est qui, qui a ce pourcentage ce héroï là avec des bilans certifiés sur beaucoup de bêtes et là on voit que euh, bah, quand tu prends 500 bêtes 1000 bêtes et eh ben il y a personne bon après la plateforme elle est récente de cette version donc forcément si on met au moins 1000 bêtes et on classe par hérosi bon lui vous savez vous savez ce que j'en pense Bon là c'est le type sort du moment donc il compte pas un... Attends, en termes d'héroïs. Après voilà, bah, ça c'est pour l'instant ça c'est des mecs euh, qui, qui sont importés. Euh, bah, là les deux c'est des gens importés ou voilà, ou sur des bilans, on ne sait pas si c'est... Piccio c'est sûr que c'est pas certifié et que c'est de la merde et on le sait euh, très bien. Et French Basket que je ne connais pas, qui est peut-être bon, hein, qui, qui, euh, qui sait qui connaît importé depuis Investment Qui connaît Investment s'il vous plaît Allez dites-moi qui connaît dans le chat. C'est un, 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 un compte pardon, qui a été euh, importé de investment. Je ne connais pas. Alors ça peut être certifié, il hein, n'y a pas de souci. Hein, je dis pas. Je, je dis juste que, en tout cas, moi, je ne connais pas. Mais en tout cas, on voit que 1000 voilà, on, qui assure, il bah, y a Dorado qui est là avec 2.9%. Asian Betting qui est à 3%. C'est une plateforme, bah, a priori, c'est une plateforme qui certifie des bilans. Parce que vu que... Euh, French Basket, il a un, son bilan il est importé de ce site qui s'appelle Investment, un truc comme ça. Ok. Yep, c'est une plateforme mourante qui certifie bien les paris. Ok, bah cool. Bah, je connaissais pas, très bien. Et ouais, et Asian Betting qui, qui, qui a l'air d'être blanc, bon clairement. Parce que ouais, après sur 2002, avoir 3%, je trouve que c'est vraiment pas mal. Surtout qu'il fait des très gros marchés. Et, euh, et vous voyez, voilà, après, à y a 1000 qui en a. Bon, après sur la plateforme, il y a... oh putain, il est déjà à 1000, Bastom. Il me semblait que putain, il, il, il a dû pic beaucoup. Hein. Il a du pic beaucoup parce qu'il me semblait qu'il n'était pas beaucoup euh, OK. Il y a plein de plateformes en fait. Ouais, bah après les plus connus, hein. bon bah là, c'est Bet2Invest, le plus connu, évidemment. Enfin, il faut que Bet2Invest soit le plus connu. Il faut que, il faut que ça envoie là. Il faut, euh, enfin, il faut que ça envoie. En tout cas, voilà, ça monte petit à petit, ça se fait connaître. Moi, je suis content d'avoir ramené le tipster argentin. D'ailleurs, bon, vous ne m'avez pas compris, mais je lui disais en espagnol tout à l'heure qu'il en parle autour de lui euh, en Amérique latine, à, à toute sa communauté euh, qui parle de... à tous ses proches de, dans les paris sportifs qui parlent de la plateforme Bet2Invest, qu'il faut avoir un compte Bet2Invest, et, euh, et c'est cool. Ah bah d'ailleurs, ah non, vous étiez pas là Bet2Invest tout à l'heure, Broken Files T'étais pas là quand, quand je parlais avec, euh, avec CQC, là, dans le chat au tout début du live Il était là, et justement, on est allé voir son compte, où il a, il a culbuté le marché sur le match de Millionarios, une cote à 1,82 qui finit à 1,44. Si ça, c'est pas beau. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, il posait la question. Ah non, t'étais pas là. Bah, c'est ça. Bah, écoute, tu, bah, tu pourras revoir en replay hein, Broken Files sur euh, ma chaîne YouTube. Enfin, tu regarderas le début du live. Tu verras que, que je lui ai parlé en espagnol. Enfin, qu'on qu a échangé. Et justement, il me demandait qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a 400 bêtes, tu vois. Bah, je lui ai dit, voilà. Enfin, si, je lui ai même pas parlé des conditions parce que je pense qu'il va les remplir. Je lui ai dit, bah, à 400 bêtes, tu passes pro. Et, euh, et voilà, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il pourra vendre ici. Enfin, euh, il pourra. Bah oui, il pourra. Et franchement, CQC, euh, moi je vous le dis, surtout en plus s'il passe pro, c'est-à-dire qu'il y aura moins de gens qui suivent CQC, je serai là, je serai dans les petits papiers. Bon après, il pourra peut-être. Euh, je, je, je serai là, parce que CQC, il te trouve des dingueries. Vous voyez, c'est clairement l'approche bah, à la Kiyu pour le coup, parce que Kiyu, il a une approche euh, avec zéro data, euh, enfin zéro data en tout cas, c'est ce que dit Kiyu, et qu'il check beaucoup avec les infos, c'est beaucoup de visuels. Et je pense que CQC, c'est exactement la même chose. Pourquoi Parce que CQC, euh, pareil, lui, c'est uniquement, enfin, à chaque fois, c'est que des, des bigs infos. Et qui sont d'ailleurs relayées hein, par des tipsters, hein, je dirais pas les noms, qui s'approprient les bêtes de CQC. En mode Ouais, les gars, j'ai une info de malade, ça, ils vont faire tourner, alors que toutes les infos viennent de lui. Hein. Et ça, je l'ai donné. Et personne n'a cité la source, ou personne m'a au moins remercié en MP en me disant Franck, putain, grâce à toi, j'ai pu suivre lui et tout. Hein, Zéro reconnaissance Zéro reconnaissance! Putain, après faut pas s'étonner que les gens sérieux comme moi ou autres, après on fasse des trucs en privé pour les gens, parce que putain, je pense que des infos, des... j'ai déjà apporté beaucoup de valeur, rien qu'en citant. Lui, ça, ça, ça vaut de l'oseille, hein, je vous le dis. Rien qu'en citant lui, parce que moi je le suis aussi. Hein, et j'aurais dû fermer ma gueule. Hein. Et lui, je le suis. J'aurais dû fermer ma gueule, tu vois. Parce que je sais que forcément ça va impacter. Mais t'inquiète pas, voilà, c'est cadeau, c'est cadeau, il y a personne qui va venir me remercier, personne ne va me faire un don, va me faire des subs. Mais t'inquiète pas, plus tu donnes, plus les gens ils veulent. Hein. Tu donnes ça, ils te le prennent là. Eh ouais, je le sais. Hein. Parce que moi je suis désolé, hein. moi encore une fois, hein. je ne citerai pas de nom, mais encore une fois j'ai vu un tips de lui, finir, voilà. Hein, l national, ah ouais j'ai l'info de si. non non, l'info il est là, l'info il est là, voilà. Ça c'est la source, c'est lui la source, c'est CQC, c'est lui le top reg. C'est lui le top reg, voilà. Eh merde, mais, mais à chaque fois hein. Le modèle, donner le gagnant J'ai pas compris, euh, qui. attends, je l'ai vu passer. Et ah, quel match Tu parlais de... Le match de millionarios Et ouais, mais ça, ça me gave, parce que, putain, c'est... Je vous jure, moi, ça me casse les couilles. Moi, si j'ai une info... Alors, ok, des fois, j'ai une info, je vais aller sur le site, imagine, je vais sur la presse locale, j'ai une info, bam, je prends, c'est value, ok. Mais... Putain, tu, tu peux... Tu, tu, tu peux citer les autres. À un moment donné, faut pas tout s'approprier dans la vie. Faut, faut pas... Je, je sais que l'influence, le domaine des réseaux sociaux, c'est s'approprier les choses, essayer de le faire bien. Mais à un moment donné, voilà, Millionarios. Voilà, ça c'était le bête. Voilà, exactement, on regarde qui ou Millionarios en, en coupe 1.82 tout 1.44 et lui il a piqué... Que... Ouais, t'as pas su catch. Ouais, bah lui il avait l'info, bah il a dû le dire là. Hein. CQC, il a dû le dire qu'eux ils faisaient tourner, c'est ça Mais ça, pareil, il y a des valeurs de fou en match de coupe et ça j'ai pu le voir notamment... Même en, en Ligue 1, enfin Ligue 1 du coup, en Coupe de la Ligue ou Coupe de France, j'ai pu voir des trucs aussi grâce au site Anjurys Suspension. Parce que dès que les groupes sortaient, je me rappelle, j'avais une putain de value parce que c'était Dijon contre... Bon, c'était il y a un moment, hein, c'était Dijon. Connexion, reco... Ah, ça revient. Heureux. Re, 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 Ok, ouais, c'est bon, pardon. Bon, ça va, ça, ça a coupé combien de temps Internet chez vous Enfin, euh, le, le stream, ça a dû couper quoi 10 secondes, 20 secondes Rémi, voilà, remis, exactement. Yo Rotoparier Pro, comment ça va Oui, pas longtemps, ok c'est cool. 5 secondes, bon, bah, ça va. Je pensais que ça avait que 20 secondes ou plus, mais ok, bah cool. Merci. Euh, J'en étais où, je m'en rappelle plus. Ouais, j'avais vu donc une année, ouais, Dijon contre je sais plus, c'était peut-être Reims ou je sais plus quel club, bref. Et pareil, j'avais vu grâce à une jurisdiction suspension, tu regardais les outs qui n'étaient pas dans le groupe, du côté d'équipe à l'extérieur, bah tout le monde en fait. Il n'y avait aucun titulaire de house. Il n'y avait aucun titulaire de, de in quasiment, enfin, c'était vraiment abusé. Euh, parce que voilà forcément, il y a des équipes qui, qui qui profitent des matchs de coupe pour envoyer les jeunes ou envoyer... voilà Et en gros, j'avais eu Dijon, mais j'avais eu un gros drop. Hein. Je ne sais plus combien exactement, mais, mais j'ai eu un putain de drop. Parce que ben, dès que j'ai eu le groupe, je me suis dit, allez, ne te pose même pas de questions, tu prends et c'est tout. Tu, la la cote avait pas trop chuté. Euh, à ce moment-là, et je prends, et vas-y, bats les couilles. Et finalement, la cote, elle avait fait 1.9, ou 1.5, ou 1.4, enfin, c'était vraiment un gros drop aussi, quoi. Donc, j'étais content. Et donc, ouais, c'est vrai que si je prends des parieurs comme Kiyu, euh, CQC, euh, et sûrement d'autres, euh, c'est, je pense, enfin, ça reste mon avis, hein, à partir du moment où tu bêtes que avec le visuel et les infos, c'est que tu, tu exploites quelque part, Tu, c'est comme au poker, les, les, t'as les joueurs très exploitants, et les joueurs, on va dire, très GTO, on va dire, qui essayent d'être le plus optimal possible, avec, bah, comme moi, si on compare avec le, voilà, avec des modèles, on essaye, hein, je ne dis pas que je le suis, loin de là, hein, je ne le suis pas. Hein. Mais en gros, j'essaye d'être euh, le plus, comment dirais-je, d'être le plus précis dans mes prédictions, et évidemment, une fois que j'ai ça, je ne bête pas à l'œil, c'est-à-dire que je vais checker le calendrier, et je vais checker les blessés suspendus aussi, tu vois. Mais je pense que quelqu'un qui exploite peut gagner plus, parce que forcément, si, si tu as les infos, mais après... C'est du taf, hein, avoir les infos au bon moment, savoir sur quel site aller chercher. Moi, d'ailleurs, il faudrait que je me fasse un calendrier aussi de... sur l'Amérique latine, de sur quel site voir les infos, par exemple. Mais c'est du taf, on y passe du temps. Ah Après, moi, je dois rarement être le premier sur l'info. « No liego a comprender, disculpa Frank, no te preocupas. Euh... » Kiyu, juste au Brésil, j'ai pris trois Spotterly comme il y avait 700 euros de limite, d'accord Ah oui, j'attends quasi que le jour J, vu les limites. Ah, en vrai, tu mets le nom des équipes sur Google Actu. Sur Google Actu C'est quoi la différence entre Google et Google Actu Putain, je suis nul en, en Internet. Hein. C'est pareil Google et Google Actu, non Tu vas sur la barre de recherche Google et tu tapes, non Non Et t'as les articles les plus récents, attends. En fait, c'est ton, ton Actu qui me perturbe. C'est le... Bah, Google Actu, attends. Google Actualité. Ah, d'accord. Google Actualité, ok. News.google.com, c'est ça le site, hein. Et tu recherches des sujets, des sources, ok. Ah, et du coup, ça te sort que des articles, ça. D'accord, attends, je crois, hein. Genre au Brésil, tu mets l'équipe avec Desfalques Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Fais une recherche Google avec un match du soir. Bon, bah, je le ferai après du coup, mais. Euh... Je sais même pas ce que ça veut dire, Desfalques. C'est espagnol Après, je ne suis pas bilingue hein, encore. Hein. Espagnol, je maîtrise. Euh... Je parle mieux espagnol qu'anglais maintenant, mais je ne suis pas. Ouais, non, mais là, je suis sur news.google.com. Ah, c'est blessure en brésilien Ok. Ok. Euh, merci pour le follow, euh, NR Black. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. 1535. Non, mais je ferai un test avec euh, News parce que là, je suis sur Google Actualité sur le côté. Euh, bref, nos offres blog. Putain, il est déjà 17h07. Euh, comment utiliser les stats Tiens, est-ce qu'on pourrait pas se lire vite un article euh, Enfin, vite. Du moins, si c'est pas trop long ça veut quand on peut se le faire demain, celui-là, vas-y. Demain, ça sera re Special Between il y aura peut-être du, euh, du vidéo YouTube aussi. Euh, on pourra se lire ça demain, tranquille, lors du stream de demain, parce que là, le truc, c'est qu'à 17h30, je bascule sur la chaîne de Poker Crusher, où justement, j'ai déjà sélectionné deux vidéos à voir euh, de poker, dont une nouvelle chaîne, enfin, je, que, que j'ai fait... Euh, pardon, <laughs> mec. J'ai failli faire tomber mes lunettes. Euh... Mais ouais, Google est notre ami. Euh, j'en étais au. Bordeaux-camp, tiens Waouh, bah voilà. Putain. Vous voyez, j'ai pas pris Bordeaux Camp. Je me suis pas écouté. J'aurais pu le prendre à 3.52. Bah là, ça vient de chuter à 3.32. Non, mais ça, c'était. Je l'avais vu hein, le match d'aujourd'hui. Et vous voyez, les gars, le match il est dans combien de temps Bordeaux-camp. Le match il est dans 1h30. 1h40, je crois, ok 1h40. Vous voyez qu'on peut trouver des values, même le jour du match Enfin, par rapport au marché, parce que là on voit, bah tiens, Bordeaux, voilà, Bordeaux qui monte comme prévu et, et surtout le, le nul qui chute. Je suis, je suis dessus, bon, dommage, j'ai pas pris parce que j'étais en stream, c'est pas très grave. Ah, merci beaucoup pour le MPQ, ok, oui, d'accord. Et d'ailleurs, moi sur Google, ce que je fais aussi, c'est que je clique, il y a un filtre dans outils, tu cliques sur outils et tu fais genre les articles de moins d'une semaine ou un truc comme ça, tu vois. Genre tu peux taper dans barre de recherche, ça je le fais. Il y a, y a outils dans Google et, euh, et voilà. En tout cas, merci à toi. Merci pour ce MP. C'est vrai que je ne pense pas à cliquer sur Actualité. Euh... Après, en soi, en, en, fait, en fait, ce qui est long, c'est qu quand tu recherches des infos sur chaque match en vrai, alors à moins d'être très efficace et voilà, être... Euh... ta recherche oui oui forcément mais bah après j'ai pas le VPN hein. là je suis sans VPN hein. comme tu es en Amérique latine ça sortir encore plus oui je pense aussi ouais t'as raison mais euh, mais en tout cas non c'est cool c'est cool euh, merde je voulais voir un truc mais mais pareil là je suis sur google actualité hein. c'est rigolo ça c'est euh, bon après je suis pas sûr que ça accueille pour vous suivi France internationale actualité locale euh. ah non actualité locale bah du coup ça me sort des trucs de Sainte-Maxime Putain, mais c'est bien fait Google Actu. Hein. Google... Enfin, en tout cas, le Google Actualité, je suis sur news.google.com, là. Euh, de l'autre côté. Et ça me sort tous les articles de Sainte-Maxime. C'est beau. Bon, vu qu'il se passerait à Sainte-Maxime, ben, il n'y a pas grand-chose, mais. Euh... Ok, c'est cool. C'est cool. Euh... Donc, on en était où Je me rappelle plus. Ouais bah en tout cas voilà le pic de Mutos, enfin ce que j'ai confirmé mais j'ai pas pris, j'étais en stream, euh, j'avais pas Pinnacle d'ouvert, mais sinon j'aurais pris à 3.52, 3.52 qui est maintenant à 3.32, voilà. voilà, voilà, les nuls, c'est la vie, bah VGG hein, bah au moins avec Mutos on était d'accord sur le nul Bordeaux-Camp, ça fait plaisir, et putain là j'aurais pu l'avoir à 3,59 ça fait chier, putain t'imagines le trade, mais là vous, vous voyez, là des fois même le jour même c'est pour ça que je pense que moi je vais me focus sur orbitix je pense je pense hein, je, dis, je, je pense que je vais te faire j'ai vraiment envie de déposer mais vraiment une tonne dessus une tonne sans te parler hein, je suis pas blindé hein. mais j'ai vraiment envie de, de poser faire très très peu de trades. en exchange c'est entre 3.5 et 3.55 mais c'était pas plus haut tout à l'heure alors le bord après, des fois, il y a des écarts quand même entre Pinnacle et l'Exchange. Hein. Souvent, c'est plus haut en exchange. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Et il faut être sûr de, de piques bien plus haut. 005 plus haut. Ouais, de pas beaucoup alors. Ouais, donc ça faisait pas un trait de folie. Après, tout dépend, là, à voir à l'approche du coup d'envoi. Euh, si Pinnacle, si ça drop encore plus, euh, sur Betfair, ça devrait drop aussi. Ouais, il y a de gros écarts, je le confirme. Non, non, mais franchement, les gars, c'est vrai que P Betfair, souvent, pas tout le temps, mais très souvent, tu peux avoir des pics bien au-dessus de Pinnacle. Et des fois, c'est égal aussi, hein. Moi ça m'arrive aussi des fois tu regardes sur Betfair je sais pas c'est à 1.6 sur Pinnacle à 1.6 aussi tu vois ça dépend évidemment c'est vrai que en moyenne c'est plus haut sur Betfair et, et des fois il y a des grosses spreads c'est-à-dire que vraiment des fois tu peux avoir des je sais pas un match nul à 3.25 sur euh, sur Pinnacle et tu tu l'as à 3.5 sur, euh, sur Betfair et du coup ben, même si tu prends 3.5 même avec les la, la commission au final ça reste bien plus haut que 3.25 tu vois Petite BR, l'échange, c'est vraiment un V ⁇ Moi, c'est ce que je faisais au début, hein, Mutos. Hein. Moi, en gros, enfin au début, c'est ce que je faisais à un moment donné, voilà, avec mes modèles, je me prenais pas la tête. Euh, sur les pas que sur les matchs nuls d'ailleurs, mais sur les 1X2, en gros, je mettais des ordres de partout. Je mettais plein d'ordres à 100 balles, mais de partout. Alors, certes, il faut quand même une BR dans le sens, vu que je mettais plein d'ordres à 100 balles, bah oui, il fallait, euh, bah forcément, 100 balles, euh, voilà, si, si, si t'as que 1000 balles, tu peux mettre que 10 ordres à 100 balles. Et en gros, c'est ce que je faisais, je mettais des ordres, voilà, ah, pour moi, c'est value, mais vas-y, non, on va essayer de gratter plus haut. Et, si, et à chaque fois que ça touche, vu qu'à chaque fois que ça touche plus haut que le marché, quand quelqu'un te prend, et ben t'as très très souvent un bet EV+, quoi. J'ai jamais touché à un exchange, je sais pas si c'est vraiment une erreur de jamais avoir voulu mais intéressé. Ben écoute, Kyo, je pense que c'est intéressant, même dans tous les cas, même si tu mises gros, c'est-à-dire que même si toi tu mets 1000 ou 1500 balles dans un bet, je peux te promettre, à l'approche du coup d'envoi, tu peux trouver plus haut sur Betfair que sur Pinnacle, vraiment. Donc au final, c'est un d'avoir de l'argent sur dessus c'est un c'est un gain de v c'est un gain de v parce que ben, si à chaque fois tu arrives même si, si, si c'est que un bet sur deux tu arrives à gratter un peu plus haut ben c'est un gain ça booste ton héroïque. quoi dans tous les cas dans tous les cas ça, ça booste donc euh, je pense que oui après sur le basket ben dès qu'il y a de la liquidité il y en a aussi sur Betfair hein. si c'est proposé par Pinnacle et qu'il y a pas mal de liquidité c'est c'est constamment sur Betfair par contre sur la niche par exemple, hier, quand j'ai bête sur le Chili deuxième division, euh, sur un match sur Pinnacle, j'ai voulu aller voir sur Betfair, ça y était pas, par exemple. En Chili deuxième division au foot. Après, ouais, c'est un exemple, voilà. Après euh... Donc, tout dépend. Mais que, dès qu'il y a la liquidité, en général, ça y est sur Betfair aussi, quoi. Et... Euh, ouais. En tout cas, un peu moins de monde aujourd'hui, un peu plus calme. Mais, euh, mais c'est cool, il euh, y, y a eu quand même un peu de monde. Et après, on va aller sur la chaîne de Poker Crusher, comme je vous les ai dit, on va réact... Euh, bon, il y a deux vidéos dessus, après, il faut que je fasse des recherches pour regarder un peu plus, ensemble. Et euh, que dire Parce que là, on n'a pas le temps de lire un article. Vu que dans 10 minutes à peu près, je vais lancer le stream de l'autre côté et dans un quart d'heure, je serai sur la chaîne de Poker Crusher. Qu'est-ce qu'on peut voir Est-ce que vous avez, je sais pas, des tipsters à recommander ou autre Au moins 1000 euh, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait voir Faut, Putain, il faudrait que je lance aussi. Je, je, dit. je sais que je l'ai dit mais que je, je lance des streams euh, en simultané sur Kik et YouTube, en mode où je recherche des values pures. Évidemment, je, je cache mon algo, je cache euh, on va dire, euh, mes méthodes, mais ce que je veux dire, c'est que bah, me rechercher en direct, voir et vous dire, ah, bah, voilà, ça c'est intéressant, prenez, prenez pas. Parce qu'en fait, c'est un peu ce que je compte faire aussi sur mon Telegram privé, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, de, de, vous, euh, de vous donner, euh, des euh, entre guillemets, j'allais dire des pronos sur chaque match, pas sur chaque match, mais au moins donner mes avis et vous dire... Euh, tu joues les codes boostés Oui, c'est de l'argent facile, c'est du rake Tout, Toutes les cotes à 10 euros, que ce soit Winna, Click, Unibet, FDJ, c'est du rake-back, c'est gagnant sur le long terme. Euh, après, voilà, c'est pas pour rien que c'est une unité à 10 euros, c'est pour pas qu'ils nous donnent trop d'argent. Voilà, C'est comme une appel d'offres qu'ils font pour, pour, euh, voilà, pour euh, entre guillemets, derrière euh, forcer les joueurs à, à jouer euh, et, les, et les appâter. Salut à toi, ça va bien, yo? Merci euh, NR Black, salut à toi, ça va bien, ça va très bien, merci. Moi je joue sur Stack, je trouve leur système de VIP intéressant. As-tu un site à me conseiller? Pinnacle, voilà. Euh, parce que là, moi, moi aussi je jouais sur Stack, ils m'ont très vite limité. Ils m'ont limité alors que je leur ai pris seulement 980 dollars. Et ils m'ont limité, voilà. Ah, mais c'est complètement fort de café, euh, un film docu, hein. Tu me dis, il y a des formations à 300 balles maintenant pour t'apprendre à jouer les codes boostés, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a deux Discord très très bien Astuce Paris Sportif, et, euh, qui est passé sur la chaîne d'ailleurs au lancement de son projet. Astuce, c'est YAI, Astuce Paris Sportif, qui le fait gratuitement et en plus de l'optimisation gratuitement. Donc euh, non, non, ça devrait être gratuit tout ça. Alors évidemment, il est récompensé via affiliation. C'est-à-dire qu'il fait de l'affiliation et. Euh, et voilà, il a les méthodes, il vous donne les méthodes, il vous dit quoi parier par rapport à la méthode grâce au bonus de bienvenue pour vous assurer entre 400 et 1000 balles euh, en vous inscrivant euh, sur les sites euh, et, et profiter des bonus de bienvenue. Ah oui, oui, oui c'est complètement. Euh... Voilà, bah, je suis d'accord avec qui, au stack, c'est horrible quand on m'en parle. Ultra limité, ouais, c'est ultra limité. Moi, je l'aurais pris, je vous le dis, j'ai pris 980 dollars net à stack et. Ah, suite à ça, j'ai même pas pu placer 50 euros, ils m'ont refusé. 50 euros, alors certes, à chaque fois j'ai pris des cotes, euh, voilà, euh, c'était des cotes value, à chaque fois ça, ça faisait des drop euh, des beaux drops, ils m'ont limité direct. Donc euh, stack, euh, voilà pour répondre à Black. Ah bizarre, moi j'ai pu retirer. Bah tant mieux, peut-être que tu es passé. Si tu es un parieur gagnant, je te connais pas, hein, mais si tu es un parieur gagnant et qui t'ont pas limité, ben bah, tant mieux, continue en fait. Ça veut dire que tu es passé. Euh, t'es passé sous les radars. Ça veut dire que t'es passé sous les radars. Bizarre, moi j'ai pu retirer plus de 2 cas sur le site, mais il y a mieux sur les sites dédiés. Je n'hésiterai pas à m'inscrire ailleurs. Ouais, tu bénéfices, tu peux en faire, mais c'est pas l'Eldorado du betting. Euh, bah écoute, euh, NR Black, viens me voir en privé. Euh, tu, tu, viens me parler en privé, on en parle après le stream. Et, euh, et voilà. Euh, bah, je n'hésiterai pas à m'inscrire ailleurs. Euh, bah. Pff. Asian Connect, il faut avoir un compte Pinacle hein, pour avoir les comptes euh, les plus hauts et donc voilà donc euh, je t'inviterai à passer par mon lien d'affiliation pour te créer un compte via Asian Connect ou Piwi et euh, mais voilà on en parle en privé euh, on en parle en privé tout à l'heure et, euh, et je t'accompagne voilà et si quelqu'un d'autre te MP ne réponds pas hein c'est moi <laughs> viens passe par moi il y a personne qui travaille avec moi s'il y a des gens qui viennent gratter et qui viennent te voir MP en te disant ouais moi je fais de l'affiliation ça euh, viens je t'aide non passe par moi ok ça me ferait plaisir en tout cas, et je te remercierai. Voilà, ça c'est dit. Euh, ultra, et ça montre Drake qui mis 700k comme exemple. Ouais, bah ouais non mais stack, c'est euh, voilà, dès que tu gagnes, t'es limité rapidement. Enfin après, voilà que comme dit Black qui a pu retirer deux k. Bah après, est si t'es vraiment deux peut-être que t'as déposé 4 k et que t'as retiré deux k. Tu vois ce que je veux dire Ça, dans ce cas-là, bah oui. Tu vois Après, je, je te connais pas, Black. Je sais pas si t'es un joueur gagnant. Je sais pas. Tu vois euh, combien tu leur as pris net alors comme je te dis, si tu leur as pris réellement deux canettes, pour l'instant en tout cas, après faut, faut, tu t as retiré deux cas, mais du coup, il faut, faut déduire aussi ben, ce que tu as déposé, tu vois. Parce que si t'as déposé 1000 et que tu as retiré 2K, ben, au final oui, tu leur as pris 1000, quoi. Et donc, euh, voilà, enfin, moi, moi, moi en tout cas, je, je partage à chaque fois mon expérience. Je sais qu'il y en a, ils peuvent me dire Ouais, mais t'es un mytho, tu fais genre et tout. Moi, je vous dis à chaque fois mes expériences perso. Je bête. Depuis 4 ans, je bête sur mes comptes perso. Et donc, moi, je, je sais ce qui se passe, en fait, tu vois. Je sais, euh, un win m'a limité très rapidement. Euh, euh, stack, euh, qui c'est qui, qui m'ont baissé les codes ben, Un XBet aussi. Enfin voilà, donc c'est. Voilà, le seul qui limite pas, c'est euh, Pinnacle et Orbitix, qui sont des exchanges. Et Pinnacle, qui est le seul bookmaker, un des seuls, qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc euh, voilà, c'est eux qu'il faut crush, enfin essayer du moins, forcément. Hein. Et, euh, et voilà, hein, 17h19. Allez on part, on part un petit peu comme ça, bah là on, on est un... ça fait déjà un moment qu'on est en libre antenne. Hein. Et après, les gars, restez euh, parce que je vous envoie sur la chaîne de Poker Crusher, donc ça ferait plaisir. Vous me verrez un petit peu réacte des vidéos sur le poker. Et euh, voilà, bah, ceux qui s'intéressent au poker, bah, je vous invite à rester sur ma chaîne et, euh... et après on passera sur la chaîne de Poker Crusher. Je vais raid la chaîne de Poker Crusher. Et, euh, et puis voilà, en plus on va découvrir une nouvelle chaîne d'un mec que je connais en plus. Enfin, je savais pas qu'il avait posté, enfin, mec que, que je connais, euh, qui était venu à Malte. Bon, bref, vous verrez tout à l'heure, j'en parlerai euh, tout à l'heure. Alors. Ouais, d'ailleurs, moi, de mon côté, il faut que je travaille encore sur des algos. Il y a, y, a, y a des trucs que je veux développer sur les over-under. Je suis pas fier, enfin, fier de moi. Je, je pense que je devrais m'améliorer plus sur les over-under, mais il va falloir que j'incorpore à mes modèles, je pense, plus de données ou, ou que je prenne plus de filtres. Pour être sûr de moi sur les over/under. Là, ça va, je suis content là sur les League 1, League 2, euh, J'ai été bon là sur les over/under, mais enfin, euh, je suis en train de. Enfin, il y, y a quasiment à part il y, y a une cote qui monte, mais sinon tout le reste a drop. Ah ouais, t'as vu la vidéo Oui, oui, je l'ai vu, Je l'ai vu bien joué, Mais d'ailleurs, tu les trouves où ces vidéos à chaque fois que tu publies Qui euh, Parce que moi, je sais jamais comment on fait pour partager une vidéo euh, qu'on voit, par exemple, sur Twitter. T'as envie de la prendre et tu envie de la repartager. Et toi, à chaque fois, tu trouves des vidéos. Je sais pas, ne sais pas comment tu fais. Pour réussir à partager des vidéos, c'est bien à chaque fois. Hein, c'est top. Hein. Euh, je les regarde. Et oui, j'ai vu. Euh, c'est abusé d'ailleurs. Le ramasseur de balles qui a fait exprès de balancer le ballon sur le terrain. Mais ça, tu le vois pas en France. Je pense que je pense que si ça se passe en France. Ah, c'est la chaîne officielle colombienne qui publie. Ok. Yo Albator. Mais, mais tu sais que. Je, les gars, s'il y a un mec. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Kiu euh, sur son Twitter. Euh, la, la vidéo du ramasseur de balles qui volontairement, pour casser l'action, il balance un deuxième ballon sur le terrain pour, euh, bah voilà, pour pas que ça joue. En France, c'est quoi la sanction si ça arrive ça Parce que j'en suis sûr, c'est le club qui prend. Hein. C'est pas lui, hein. le, petit, il va, le petit, ramasseur de balles, il doit avoir 14 ans, euh, euh, il va pas prendre une amende, mais je pense que c'est le club qui est sanctionné dans ce cas-là. Oui, oh, il part en souriant, je l'ai vu, non mais je l'ai vu, mortel. Franchement, il est allé, en en, en... en fait, il a fait le coup du siècle, il s'est gavé, le mec, il a sauvé l'équipe quoi. Bah c'était le 12 douzième homme qui, bah ouais, c'est ouf. Après, je pense qu'en France, je suis pas sûr que si, si ça arrive, ça. Non, je pense que juste bah, le petit. Oui, par contre, il est, euh... il est squeeze à vie, quoi. Genre, il est euh, ban, il est ban à vie de stade, je pense, et de, enfin, enfin de, de ce métier, quoi. Je pense. Hein. Je pense qu'il peut plus être ramasseur de balles, tout simplement. Mais, mais ça serait chaud, parce qu'en France, c'est-à-dire que vraiment, ça change le. Voilà, l'équipe devait prendre 3 points presque. et Ben non, elle prend qu'un point, ou tu vois, ou alors l'équipe perd à cause de ça. Je pense que si ça arrive en France, je pense que c'est le club qui paye. Hein. C'est le club, c'est le club qui est responsable de ces ramasseurs de balles, au final, je pense. Hein. Et je pense que c'est le club qui prend une, une amende sévère. Hein. Je, enfin, je ne connais pas les lois, mais je, je, je dirais que c'est ça. N'hésitez hein. pas à me dire ce que vous en pensez, vous aussi, dans le chat. Et je remercie tous ceux qui sont là et qui participent surtout au chat. C'est vous qui faites vivre le stream. Et en plus de voir des gros comptes comme Kiyu, euh, comme Dorado, comme euh, voilà, comme plein de, plein de gens. Yo, le Chris Casual, bien Ça va du côté de la Hongrie Ça fait quoi là en ce moment Ça va, écoute, hein ça va, écoute, hein, on continue nos, nos émissions Paris Sportifs, tranquille. Et. Euh... Ah bah tiens, je t'avais mis VIP, Chris Casual, tiens. Je m'en rappelle plus, tiens. Et tu m'avais envoyé des beats. Elle est belle. Ah bah attendez, je l'ai déjà lancé sur Poker Crusher. <laughs> Dieu merci que je sois VIP ici. Euh... Ah merde, attendez. 17h23. Non, vas-y, j'attends deux minutes pour lancer le stream déjà de l'autre côté. Via Streamlabs OBS. Et après, je vous envoie chez Poker Crusher. Comme tous les mardis, à part mardi dernier. Mardi dernier, j'ai pas stream. Donc ça va faire deux semaines sans stream. Euh, et écoute, euh, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut parler là avant de. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut se dire Dites au moins, n'hésitez pas à parler, à échanger dans le chat par rapport au Paris Sportif. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer sur mon Discord aussi des vidéos à voir. Là, on va voir. Euh... Demain, je pense, la vidéo de, de Ben Bet qui nous a expliqué le Monopoly euh, ou... Euh, je sais pas, on va voir d'autres trucs betting. On verra bien. Ah bah tiens, Kiyu t'as posté un bet il euh, y a 40 minutes là sur euh, AFC Asian Champions League. Et donc pareil, ça, ça veut dire que sur la AFC Asian Champions League, Al-Ain contre FC Al-Al, pardon. Tout ça, tu regardes, tu regardes les matchs et en gros, tu... Euh, tu définis une cote en fonction de ton visuel et des infos, c'est ça Ok, reportage, attendez, je regarde sur le côté. Oh bah tiens, Richou qui vient de faire un tweet, tiens, ça faisait longtemps Richou. Il revient donc Ah ouais, il vient me soutenir sur ma chaîne. Ah bah ça y est Richou, il revient et je, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il avait besoin de vacances. Peut-être qu'il avait besoin de vacances, c'est vrai qu'il streamait, mais une tonne, c'était juste abusé. Euh, donc euh, voilà. Ok. Euh, attendez, on est là. Oui, oui, tout ce que je publie, c'est les championnats que je suis. Bah, putain, tu t'en suis une tonne. Hein. Mais du coup, ouais, comme tu disais, ouais, tu m'avais dit que tu regardais 8 heures de match par jour. Mais du coup, t'as pas de vie, ou Tu fais quoi de, de ton temps libre Bon, enfin, pas de ton temps libre, ouais, du coup, mais putain, tu regardes 8 heures de match par jour. C'est oufissime. Putain, c'est une passion. Hein. Et en plus, tu pètes sur le basket. Enfin, tu, 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 je sais pas, après, je connais pas ta vie, je ne juge pas, évidemment. Mais, hein, mais quand je vois les infos que tu me donnes, je me dis, bah attends, tu. C'est... Tu taffes euh, abusé, quoi. Ah, c'est pour ça que je suis en Amérique latine, pour le fuseau horaire. Bah, tu vois, tu serais passé à Quito, on se serait euh, connu en, en live. Ah, au basket, je ne regarde pas les matchs spécialement, juste la prise d'infos. Ok. Putain, mais c'est ça qui est ouf. cest dire que... On... Mais ça, c'est vrai qu'à un moment donné, je, je vous en ai parlé, qu'à un moment donné, j'ai eu une période pendant un mois où je, je faisais à fond bête je regardais toutes les infos donc les mecs avec analyse sur tout le foot, je faisais pas le reste mais tout le foot, parce que voilà je, je fais, je bête que sur du foot, il y a que là où j'ai un minimum de données et des, de modèles pour, pour me repérer on va dire, et c'est là où des fois j'ai trouvé des values mais genre dans des endroits où je voyais que la cote avait pas trop chuté alors que le mec avait l'info que ça envoyait l'équipe B en face, et putain je pouvais prendre des values comme ça c'est ouf hein il faut être un suiveur professionnel aussi hein et franchement blog à bête faudrait que je me remette un peu, il faudrait que j'y passe une heure par jour à... Au moins regarder on va dire les analyses des gens à fond et euh... mais oui peu de temps libre juste tennis piscine et de temps en temps restaurant top top bah écoute euh, voilà j'espère que, que, que ta vie se passe bien que tu es heureux je pense que c'est ça le principal peu importe le domaine euh, c'est c'est clairement ça Attends, des alors attendez on va lancer déjà de l'autre côté sur poker crusher voilà, j'ai lancé le stream du côté de Poker Crusher avec une mise en page. Le stream commence bientôt et après on, on balancera. Il y, y a du fake aussi. Ah oui, c'est chaud. Après, moi, tout dépend. Quand il y a des grosses infos, si c'est un compte qui est pas suivi ou qui a peu de pique, je j'y accorde pas trop d'importance, quoi. Mais, mais qu'est-ce que tu veux dire Il y a pas mal de fakes. Tu veux dire des gens qui copient les autres tout simplement et ou, ou fake Enfin, euh, je comprends pas le, le, le fait d'être fake euh, sur Blogabet. Il y a un truc qui m'échappe. Un truc m'échappe. Ah non, même des comptes avec un bon euh, ROI. qui liquent une fake info, sérieux Ah, c'est des bâtards. Ah, parce qu'ils pensent. Ok, ok. Ah, peut-être qu'ils font ça justement pour que les gens parient d'un côté, pour qu'eux, ils parient de l'autre, c'est ça, non Parce que moi, personnellement, je vois, je vois des bêtes, je vois des drops qui sont tellement énormes où je me dis, mais attends, c'est sûr et certain que là ça a trop drop et du coup la value elle est, elle est de l'autre côté quoi tu vois ce que je veux dire moi je vois des trucs des fois surtout quand il y a peu de liquidité je vois des machins je vois des choses où ça drop mais sévère tu te dis mais non mais non en fait et après tu regardes moi je regarde un petit peu par rapport à mes modèles je me dis mais non mais là c'est beaucoup, beaucoup trop bas et ça continue à baisser et tu te dis bah non bah là faut parler de l'autre côté et puis c'est tout en fait faut juste pas se prendre la tête quoi Alors, à moins qu'il y ait des infos vraiment euh... oui il y a des gros cours ouais mais ça ne ça m'étonne pas du tout hein. Oui, il y a des gros comptes aussi qui font ça avec leur commu, mais oui. Non, mais vous savez, je ne vais pas dire aussi avec qui j'ai parlé, enfin je, vais pas, voilà, je je connais un peu voilà, quelques personnes, et je peux vous dire qu'il y a des gens qui parient l'inverse, pardon, désolé. J'ai été perturbé. Ouais, il y a des gens qui parient, pardon, désolé, ouais, gens qui parient justement l'inverse, une fois que ça, ça a trop drop. Et clairement, des fois, il y a des trucs qui drop trop. Et voilà, il faut parier l'inverse. Et sauf que les gens continuent à parier au même endroit. Alors que la cote a déjà trop drop. Et ça, pour moi, c'est une erreur fatale. Tu ne peux pas. Enfin, euh, il faut, faut, faut arrêter de faire ça, quoi. Genre, tu. Bref. Alors, on... il est quelle heure 17h. 17h. 17 euh... Ouais. Bon, en tout cas, c'était un stream cool. On a parlé un petit peu de Bet2Invest. On a vu quelques tipsters. On a parlé entre nous. C'était cool. Euh, demain. Euh, on, va, on, va voir, on va lire un peu les articles de bet to invest et également euh, voir euh, si on a le temps du réact de vidéo YouTube, même si c'est réservé pour le jeudi. Mais bon, je pense qu'on va réact aussi peut-être demain des vidéos YouTube euh. à propos des paris sportifs. Ça peut être cool d'ailleurs. N'hésitez pas à un hein, Kiyou et les autres si vous avez des vidéos à me recommander en français, pas trop long, <laughs> genre toujours plus de conditions, mais bon, vous avez compris pour euh, voilà, qu'on puisse réagir ensemble et dire un peu ce qu'on en pense. La taverne, putain, mais ça vient. Tout le monde me demande la taverne. On a, on a, déjà, on a déjà vu pas mal hein, de vidéos de la taverne. Hein. Franchement, la taverne. Euh... Yep, pas de souci. bonne journée, merci à toi. Bonne journée à toi aussi, du côté de, de la Colombie. On n'est pas très loin en plus en avion. Hein. Euh, L'un de l'autre. Euh, ouais, non, mais la taverne, on a déjà vu. Putain. La taverne, il va croire qu'on fait une fixette sur lui, hein, à un moment donné. Hein. Après, tu, tu, tu me diras si jamais les vidéos sont intéressantes. Je sais pas, on m'a parlé d'une vidéo sur le mindset. Ma foi, si vraiment, c'est vraiment intéressant, ben, pourquoi pas, hein. Ma foi, hein. Pourquoi pas, hein. Même si j'ai du mal avec la personne, enfin, avec son, ce qu'il fait, ben... Ça n'empêche pas que la personne peut aussi faire du contenu très intéressant où on apprend des choses, hein. Ça, c'est sûr, hein. Pour ça que j'ai... Ok, il y a une vidéo de 30 minutes. 000... Ben, on verra demain. J'espère un film docu. J'espère te voir euh, demain. Et tu m'enverras le lien le lien en MP. Et euh, voilà, bah ben là, écoutez, il est 17h30. Petit à petit, on va lancer un raid sur la chaîne de Poker Crusher. Lancer un raid. Donc les gars, euh, restez là sur la chaîne ou allez sur la chaîne de Poker Crusher, ça peut être cool. Euh, bonne journée à bientôt Franck. Merci Broken Files, euh, dit to Invest. On parlera de Beto Invest demain aussi. On va lire des articles et on va, dire, euh, on va réagir à vos articles. Allez Passez une bonne journée, et puis bah, je vous vois de l'autre côté direct hein, sur la chaîne de Poker Crusher. Allez, merci bien.